3. Le camp VRG est disponible, siège réglé et verrouillé. Frat Park, caméra 3. Voulu. Attention. Rentrer. Ici. Sélecteur essence sur le central. Réchauffe carb poussé et verrouillé. Mélange riche. Pas tout de suite. Servitude électrique sur off. Contact batterie sur on. Autonomie, ça c'est bon, ça c'est testé. Balise de détresse sur armed. Feu anti-collision sur on. Verrière tirée non verrouillée, ceinture non attachée, le moteur est chaud. Donc la pompe électrique sur on. Je suis pas prêt. Hein. Attention pour la synchro. Les oreilles. Sur bof. Je peux démarrer? Vas-y, tu peux. Des Fox Juliette Charlie à 3 minutes du largage, merci d'éviter la verticale du terrain. Checklist après mise en route, chauffage moteur 1200. Donc alternateur il est sur on, charge alternateur l'aiguille monte. Sélecteur essence. On veut l'activer. En 18 unités. Ok. Je m'attache. Sélecteur essence sur off. Pompe électrique sur off. Feu de nav on. Oui, des fois que j'ai dit il y a 2 minutes de largage. Continuons GTN. Continuons. Floor to flow. Ça c'est bon. Donc je vais monter. Je vais venir à altitude, on a dit 2000. Et premier heading, c'est la piste 060. La piste 63. On a dit mise en route 15h18. L'horamètre c'était 11. Grandville de Fox Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour. Grandville de Fox Golf Mike X-Ray Oscar, Eurobain DR400, 3 personnes à bord, parking gazonné. Nous en commençant le roulage pour la point d'attente piste 06 Dur pour un vol à destination de Lognes, Paris. Et on part par le nord pour visiter. Fermé là, ok. Cher Québec de Mike Echo, du bonsoir. Ouais, 4 sur 5. Je suis derrière dans ces 6 heures, j'essaie de s'attraper. Ok, on passe sur 123.40, c'est ok. 1, 2, 3, 4. En ville, 1 minute avant de largager, vite à verticateur, merci. De toute façon, nous, on a le temps largement d'aller de l'autre côté. Je teste là. Ouais. Là, tu peux prendre à gauche là.
j'ouvre un petit peu et je referme après. Ouais. Ah, ça fait du bien, tiens. Du Fox, Juliette Charlie à deux la voile en descente à vitesse vers 14h09. Plus vite qu'à pied, lui. Il ressemble. On va s'arrêter. Je pense que tu dois être bon là, ouais. Oh. Alors peut-être un poil, parce que là on est en plein dans la montée là. Encore un peu. Oui, le ouais, j'ai pas compté si c'est ouais, bon. Ça m'a l'air d'être bon. Checklist essai moteur, relais de données. Dans l'axe, c'est frein de parc serré, sélecteur essence sur le central. Pression d'huile dans le vert, température d'huile dans le vert, pression d'essence dans le vert, commande tenue et je monte à 2000. Attends, bouge pas, je vais le filmer là. Tiens, regarde. Hop. Je perds 100 tours, donc j'ai 2000. Ici je perds 65 tours, donc je perds 100 tours. Ah, c'est dans le vert. Ralenti, 1600 tours, pas de détonation, stable, régime d'attente 1200. Serrage de frein, parc maintenu, contact magnéto sur off, sur on, passer dans le vert, dans le vert, dans le vert. Et c'est moteur terminé. Il est à quelle altitude le terrain? Le terrain, il est à 96. 96, aucun débat là. Donc c'est presque... voilà. Ouais. Et là on est un poil bas là. Ouais, ouais. Ok, on prendra le canage une fois décollé. Ouais. Donc, avant décollage, serrage de frein de parc maintenu, contact magnéto, sur bof, batterie sur on, alternateur sur on, chargeur batterie, à vérifier. Chargeur, alternateur vérifié, réchauffe carbu poussé et verrouillé. Mélange vers le haut, essence sur le central, autonomie, on a 4 heures d'autonomie, cohérent sur les 3. Altimètre, donc c'est bon, c'est bon, ça c'est j'ai 1027, là j'ai 1026, donc un hectopascal de différence, c'est ok. Commande, les genoux, attention, gauche ça monte, ça descend, ça tire, libre et dans le bon sens. Compensateur sur neutre, attaché à gauche, attaché à droite et attaché derrière. Pompe électrique sur on, un cran de volée. Allumé, sortie et symétrique. Éjecteur en place à gauche, éjecteur en place à droite. Pression en température d'huile dans le vert, les deux. Pression d'essence dans le vert. Donc, aligné sur la piste 06, je lirai cap 63. Je mets puissance minimum 2200 tours. Montée initiale 54 nœuds. Rotation 54 nœuds. Montée initiale 75 nœuds. 70 nœuds. 600 pieds QNH, donc 600 pieds QNH plutôt. Je rentre les volets, je cherche 80 nœuds. Je ferai
si je suis main droite, première fois, main droite, je tourne à droite une deuxième fois et je monte 2000 pieds jusqu'aux côtes, après je prendrai... Donc on a dit oui, qu'on remontait, qu'on virait à droite quand on était en gauche sur une, quasiment une fin de vent arrière. Ok. Ah, donc oui. En fait, on est, quand on arrive sur la fin de vent arrière, on se met 1300. De manière, quand on est sur la côte, on peut virer à droite, on est au-dessus de la descente et on est en dessous du, de ceux qui arrivent en tour de piste. Oh, à 1300. Et okay. Le largeur, il arrive. Ça roule. Et on est sur 30 degrés, là. Oui. 06, Fox, je change. X-ray Oscar, point d'attente 06, on a des lunettes sur l'appareil en finale, en fin de ligne derrière. Le starter, deux voiles au sol. Grandville 2, X-ray Oscar, on pénètre sur la piste 06, on s'aligne et on attend. Donc ouais, j'allais te dire 30 degrés, je propose puissance sur frein comme d'hab. Elle sur la mer juste derrière là-bas. 06 libéré, Juliette Charlie. Ah ben, je vais te filmer à l'intérieur, ok, lumière haute. X-ray Oscar, piste 06, on décolle. Essence disponible, les instruments sont dans le vert, pas de rotation. Ligne légèrement de gauche. Yeah. On a décollé à 31 maintenant. Tout est dans le vert. Je rentre les volets, pompe off, checklist après. Donc là je voulais rentrer, réchauffer, off, pompe off, à plein riche, les instruments sont dans le vert, je cherche 89, je tourne par la droite. Je tourne par droite ou gauche? Droite. 20 degrés à droite. Les instruments sont dans le vert, on cherche un peu monter plus. En ville sur la droite, la ville. On est traversier. On va pouvoir virer bientôt, je pense. Même maintenant. Début de vent arrière. X-ray Oscar, on va arrière 06 pour la sortie de circuit, on sort par le nord. On est même 1500 donc, on est au-dessus. Hein. V
vois rien à droite, rien à gauche. Je pense que tu peux prendre le côté. Et on dit que c'est un top à 34 hein, pour la navigation vers, vers Cherbourg. C'est parti mon petit cri, confirme 34 ans. Alors 34 ans, 34, 40, 50. Granville d'X-Ray Oscar, on est en sortie de votre zone et on prend cap vers le nord pour un balade sur les côtes, puis un vol à destination de Logne. Bon après-midi à tous. Je quitte la fréquence, au revoir. Bon vol. Merci. C'est Rennes ici 129, ouais, c'est 526-950, ouais. Rennes Info, de Fox Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour. Le Fox Golf Mike X-Ray Oscar, on rodin DR400, 3 personnes à bord. On vient de décoller équipé Granville, on va faire une petite balade vers le nord, puis un vol à destination de Logne, Paris-Papalima. Monsieur fiché 7040. 7040, transpondeur X-Ray Oscar. Le dernier Gunas, s'il vous plaît, pour X-Ray Oscar. Répétez s'il vous plaît. Le dernier QNH pour X-Ray Oscar s'il vous plaît. 1023. 1023 X-Ray Oscar, merci. Ouais, donc il est à peu près bon. Voilà, les deux sont réglés. Merci. À ce moment-là, il doit être toi de 500 mètres à gauche s'il te plaît, qu'on voit bien la côte sur les images. Et que nous aussi on la voit en fait. Delta Charlie Victor, contact Iroise Information, 135 non, décimal. Mais toi bien 500 mètres à gauche s'il te plaît, parce qu'on ne voit pas la côte en fait. Iroise, 135 decimal, 825. Ouais, c'est mieux. Charlie Victor. Goodbye. C'est intéressant. Charlie Info, bonjour du Fox Zulu India. Zulu India, bonjour. Bonjour monsieur Fox, Golf Golf Zulu India, gardant. Décollage de Dinard, destination Caen, 4 pieds, on vient de passer la pointe du Grand 2000 pieds, on a 47,50. On a combien en vente arrière 0 de cordon fondé sur du 50-51. 70-44, Zulu India. Info de Fox Zulu Echo en vue du terrain de Dinard. Zulu Echo bien reçu avec Dinard 125, au revoir. Avec Dinard 125, Fox Zulu Echo, au revoir. C'est bon là, dis donc hein. Elle est plein de petits bateaux, sec. Donc on est 2000 pieds. Donc on est 600 mètres en gros. On n'a pas l'impression en fait. Parce que là il y a une ville du coup là. Bah, tu veux bien ouvrir à gauche hein, 10 degrés. Ah, là tu continues au moins 30 secondes comme ça, ça sera bon. Ça change hein Jean-Luc. Ouais ouais. On
n'a pas l'habitude de la mer. D'ailleurs, depuis Lyon, c'est la première fois que je vois. Ah non, c'est la deuxième fois. Oscar, contactez Rennes sur 134 de l'Ordre. Dépendu, votre pour extraire Oscar. Tu as dit comme fréquence? Répétez, s'il vous plaît. Extrait Oscar, 134 décimales 2. UNIP, 3, 4 décimales 2, extrait Oscar. Correct. Le Fox extrait Oscar désormais sur 134 décimales 2. Extrait Oscar, Rennes, bonjour, j'ai les éléments et donc vos intentions pour le transit vers Lagne. On continue vers 10 minutes comme ça vers le nord, après on va tourner à droite. On passe par thème A de Deauville. Je suis X-Roscar. Merci. Red du Foxtrot Golf Papa en vue de l'essai pour quitter la fréquence. Golf Papa, pas de trafic connu, 7000 au transpondeur et 128-925, au revoir. 7000 au transpondeur, l'essai sur 128-925, merci beaucoup, au revoir. Il y a plein de reflets sur cette ville. Ah Jean-Luc, tu peux me passer la carte s'il te plaît? Laquelle? Celle où il y a la mer. Normalement ça doit être celle. Ah ouais. Merci. Par contre, est-ce que tu as l'intention de filmer tout le temps? Ouais, pourquoi? Parce que du coup je vois rien du tout moi. C'est-à-dire? Ah là, ah, là. Je suis désolé mais... Comme ça c'est mieux? Ouais. Bah disons que là surtout... Et la caméra principale qui va filmer tout le côté là donc. Ouais ouais. Alors finalement c'est bien comme ça là. Et peut-être plus de reflets. On va commencer 25 minutes quand tu veux. Vas-y. On peut on. Et je vais à droite. Hop, voilà. 25 minutes. Pour 25 minutes. Voilà, okay. C'est lancé. 42. Ok, 42 plus 20, ça fait 02. 41, 30 en fait, 41 on va dire. Donc à 16h02. Ah bon, on aura moins chaud, tiens. C'est moins joli. Oh, quoique. Ouais. C'est le bon, pas sûr. Ouais, on était à 10 degrés bah, entre soleil ici. On était 31, là c'est à 21. 21 ouais. Un peu plus nuageux devant. Ouais. Ouais. Donc là, on a dû dépasser celui-ci. On doit être là. Ouais. Après on a celle qui est ici, ouais d'accord. Là, celle dont je te parlais, je te disais qu'on devrait pas louper, c'est celle qui est là-bas. Alors quand on aura passé l'autre bout là-bas, ouais, on sera pas loin de Flamanville. Enfin pas loin. On sera pas loin de virer avant Flamanville quoi. Ah, c'est traître aussi un peu là. Donc ça c'était forcément le premier, donc on est forcément sur celui-là. Ah bah tiens, quelque part... Ah bah regarde, hey, juste à droite, tu vois les éoliennes qui sont un peu dans le fond derrière, oui. À gauche, à droite du lac. Ouais. On a un truc qui est perpendiculaire à nous. Ouais. Bah c'est laissé. Ah, c'est notre terrain de dégagement. Ouais. Alors là, je le vois pas.
Il n'est pas juste en bout d'aile là? Si, c'est ça, il arrive en bout d'aile. Donc on a un joli... Du Golfe Juliette, rebonjour. Golfe Juliette, rebonjour. Largage niveau 100. Affirme, Golfe Juliette. Je suis Golfe Juliette, rappelez une minute du largage niveau 100. Je rappelle une minute du largage niveau 100, Golfe Juliette. Il y a du monde sur la plage, hein. Ah, du monde. Ouais, c'est calme. Il y a quelques personnes, quoi. Ouais. Il y a du people quoi. Et on n'est pas... C'est pas la Côte d'Azur. Hein. C'est ça, voilà. Donc à ta demande, Jean-Luc, je vais étudier un dispositif pick-up. Pointant un peu de la côte, s'il te plaît. Ben, on voit rien. Hop là. Hello, this is the BT-417. Une sorte de dispositif. Regarde que je vais te mettre comme ça, tu sais. And we are ouais. About aircraft. Comme ça, le caméscope te gênera pas. Ça serait pas mal. Motor Climb Freighter 180 aircraft. Ça sera encore plus bizarre à installer. That would be good as final and aircraft BT-417. Tu vois toi le tricoté ou pas, Johan? Non. Parce qu'en fait, sinon, j'ai le montant, puis le caméscope, ouais. Puis la GoPro. Ah oui. Ce qui est une vue assez sympathique, mais... Pas longtemps, quoi. Ah. Un peu, quoi. Donc on a passé ici. On va regarder un peu devant, quand même. Mais bon, devant, c'est pas top à montrer. Ça c'est une de mes séquences favorites. Filmer les éoliennes qui tournent, j'adore. Une éolienne qui tourne, mon rêve. Je déconne bien sûr. Donc il faut que le caméscope man filme, pense à la carte, hein, pense à pas toucher les trucs, et à naviguer. Heureusement qu'il pilote pas. Hein. Ah, c'est pas plus mal ça. Ouais. Hein. Donc là, ça doit être celui-ci. Ah non, ça c'est celui-là. Ah, on dirait qu'il y a un espèce de petit port là où je sais pas quelque chose. Donc je devine où est Flamanville. En fait je vois Flamanville. Vire un peu à gauche. Ouais, ouais. C'est bon, tu peux remettre à plat. Ah là, comme ça tu vois là. Magnifique. Ouais c'est ça, tu vois, il y a des bateaux. Donc on a Flamanville droit devant là-bas. Tentez le zoom. Voilà, Flamanville c'est là-bas. T'inquiète Yohan, tu t'en rendras compte quand tu seras dessus. Elle va bien à gauche là, qu'on voit bien le phare qui est là.
Donc là on arrive ici, on est sur le point qui s'appelle Carteret. Bien, joli. Jet 8, 163, contact train on 1340, au revoir. 1340, bonne journée. Bonne journée. Beauty 417, direct Bodil, bravo Oscar Delta India Lima. Bodil direct, Beauty 417. Un poil à gauche, Johan. Ouais, c'est... tu peux remettre un. Ah là, très bien. Hop là, on regarde le phare. Ah ouais, c'est un phare en fait. Enfin, c'est un phare. Un bâtiment... ou alors c'est un monument, je sais pas. D'après toi, Jean-Luc ? Un sémaphore. Sémaphore. Bah, pour un sémaphore avec un grand, grand pilote. Bon, tu peux virer, ouais. Bon, Johan. Tu vois l'espèce de terre qui est bien en avant sur l'eau devant là ? Ouais. Il y a un village avant, on vire juste devant ce village à droite. 417, contact train on 1340, au revoir. 134, décimal 0, au revoir, Beauty 417. Passons la zone, elle est là. Ouais. Là on voit bien, il y a un double cercle comme sur la carte. Ouais. C'est dommage que ce soit pas en rouge ici. Ouais, c'est bizarre d'ailleurs. J'ai trouvé que c'était étonnant. Allez, on va essayer. Les Flamanville. T'en es où ce réacteur alors ? Comment ? T'en es où ce réacteur Flamanville là ? C'est un EPR là ? Ouais, mais il y a des classiques aussi. C'est pas le réacteur. Je sais pas. 2024 ou 2025, je sais plus. Ah oui. Donc, la route suivante. 060 pour aller sud de Cherbourg. Combien ? 060. J'en tourne. Tu peux déclencher. Et je monte en même temps à 2005. Tu veux ? Moi, 2003 plutôt. 2005, on sera trop près de la TMA après. Et 52. Bien joli là. Ouais. En fait, ça manque un poil de luminosité, tu vois. Un peu comme là-bas à droite. Là, c'est un poil trop atténué. On voit bien, c'est agréable avec les couleurs, mais... un peu trop atténué quand même. Alors, j'ai dit 52. Hein. 5 minutes prévues à 57. Les instruments sont dans le vert. Donc, on va voir la ville de Cherbourg à droite, à gauche, pardon. Que je distingue déjà. En fait, on voit la rade de Cherbourg. T'as vu, elle est là-bas à gauche. Ouais. Tout en bout d'elle. On a tout le côté. Magnifique. Ça va vite hein, quand même. Hein. Ça va vite à 102. La seule, pas beaucoup. Hein. Voilà, comme ça, cet éclairage, faut pas le changer. Il y a une ville devant là. Donc on va croiser Fox quoi. Golf Mike X-ray Oscar, contactez Deauville sur 120 décimales 350, au revoir.
120, 325 pour X-ray Oscar. 350. 350. Correct, X-ray Oscar, au revoir. Au revoir, monsieur. Donc pas plus de 2005, hein. De Will de Fox Golf Mike X-ray Oscar, bonjour. Le Fox Golf Mike X-ray Oscar, on rebat un DR400, 3 personnes à bord, en provenance de Granville, à destination de Logne-Papanema. On est actuellement à 2500 pieds, on va traverser par votre TMA, verticale du terrain si possible, et après route Logne. Reçu X-ray Oscar, vous êtes identifié radar, affiché transformer 7040, QNH 1026, rappelez course à l'autre. 7040 sur le transpondeur et le QNH s'il vous plaît. Unité 0, 26. 26. Unité 0, 26. C'est correct. Ok, et je maintiens 2500 pieds X-ray Oscar. Il y a 3 QNH entre les deux, vous voyez. Ouais, ça va étonner aussi. Bonjour. Attendez. Ok, on est plus au sud que ce que je pensais. Fox, un peu plus à gauche, là, sinon on passe sur la ville. 712, antifer, pardon, j'ai pas encore entendu. Plus à gauche, là, sinon on passe sur la ville. Libon, nord de Libon, Tancarville, retour off par la Vézène. 4 personnes d'abord et 3 heures de TDMI, Fox Echo Hotel. Echo Hotel, à surveiller, tout à l'heure j'avais sur votre travers gauche un trafic DR400 même altitude, affiché transformer 7032, QNH 1026. 7032 et 1028, Eco Hotel. Ville de Kilo Québec pour monter 3005. Kilo Québec, c'est approuvé, un peu parti. Merci. Ok, Valogne, ça doit être là-bas. Et je vois pas la route qui m'intéresse donc. Côté de ça, on a du vent de face ou quoi là? 15 notes. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est normal, on est en retard. Ouais, Papa Golf, on est vertical. Et au niveau de timer, on est à combien? Au-dessus, Papa Golf, au niveau de quoi? Dans la CTR, 110. Le temps, dans le réservoir, t'as encore 10 minutes. Okay. Donc tu vois, ça c'est Valogne là. Donc on va le passer et après on ira à droite derrière. Ok. Et on descend en parallèle à la côte. Ok, donc on n'est pas sur du 125, on est sur du 110. Donc ça fait plutôt... plutôt 16 heures. À gauche, c'est Cherbourg. À gauche, c'est Cherbourg, ouais. On voit la rade de Cherbourg et on voit Cherbourg à droite. D'accord. Et le terrain, il est à droite là-bas, je pense. La grande zone dégagée là. Ouais, ok. -5 degrés à gauche, Johan. Là, on arrive sur la ville presque. Ok, donc là on a un nœud. Très bien, ok, ok, je vois où on est, ouais, c'est ça. Donc tu vois le côté là-bas, Johan. Là-bas, c'est grand camp. Ouais. C'est-à-dire c'est là-bas qu'on va aller tout à l'heure. C'est là où on voit le truc qui brille, c'est peut-être bien Saint-Père-Église, voilà. Par là. On a une voie de chemin de fer. Go. Une voie de chemin de fer. On arrive sur Valogne. Allez hop, un petit double de rien du tout. Heureusement que c'est pas moi qui pilote, hein. Là je me serais cru dans des CS, hein, parce que par ici on y est souvent en ce moment.
Fox Hotel Oscar, 3 minutes du parachute à niveau 105. C'est parti à 10 minutes pour chercher les bombardiers. Un peu dans l'approche, vous voyez que le sol. Parle plus fort, je ne t'entends pas deux. Ah, c'est déjà prouvé, contactons-le. Vous dites des conneries. Et qu'en ce moment, sur DCS, on est pas mal dans le secteur A. Avec des bombardiers à 10 000 pieds. Donc, voilà, maintenant qu'on a Cherbourg, parade. À gauche. Et la ville de Cherbourg à droite. Et un peu à droite. Là, ouais, là ça doit être le terrain là. Oops. Ok, dans une minute à peine tu peux virer à droite. Et en fait on fait la grande route qui est là. On passe dans la ville là-bas? Celle qui est derrière, voilà. Donc encore une minute, ouais. Pour déborder vraiment de la ville. Là on passe sur la zone d'activité donc ça va. Donc Valognes en dessous. Ah. Avec plein de reflets, c'est pas top hein. Alors, il est l'heure. C'est l'heure, on est arrivé à 16h. Donc on en a pour 6 minutes, on a un vent de travers, on va dire 7. 16h07, on doit être sur Sainte-Mère-Église. Donc en fait tu sers bien sur la route parce que là tu as une ville jaune à gauche. Ou alors tu te déportes, vas-y déporte-toi à gauche. Fox Echo Hotel pour information, un trafic inconnu, secteur Saint-Romain, 400 pieds plus bas. Je suis en formation de trafic, j'ai pas vu. Ouais, c'est bien ça. C'est bien, continue tout droit. Fox Echo Hotel, donc vous faites Lisbonne, Tancarville et ensuite Echo Hotel. Hésite quand même dire Jean-Luc. Hein. C'est correct, j'ai compris. Allez, les oiseaux et Jean-Thomas avant. Reçu, rappelez-moi Tancarville. Appelle Tancarville Echo Hotel. Oh, regarde, c'est joli à gauche là-bas. Ouais, mais il y a un fort là-bas au bout, je sais plus ce que c'est. Ouais, ça me dit quelque chose, effectivement, on était venu le voir en simu. Ouais. Topo 61, vous allez prendre une ligne à cap Est, c'est correct? Topo 61, on est actuellement sur une ligne à cap Ouest. Reçu, donc le caravane a largué il y a peu de temps. Bien reçu, Topo 61, on approche vers le terrain, on va faire attention. Reçu, merci. Deville de Fox Zulu Ornao, bonjour, avec vous. Bonjour Fox Zulu Ornao, j'ai vos éléments rappelés en sortie. On rappelle en sortie, Fox Zulu Ornao, merci. Ok, tout droit, tout droit, tout droit. Topo 61, vous poursuivez cap ouest combien de minutes? 40 Topo 61, je pense qu'on va éviter l'aéroport. Oh, je suis merci. Fox Hotel Oscar, le trafic topo à l'est de position, 3700 pieds. En retrouvez pour l'instant. Donc dans 30 secondes, tu pourras virer 30 degrés à droite, dans 30 secondes. Fox Hotel Oscar, reçu initialement vers 5000 pieds, le trafic topo à l'est de votre position de nautique. Eh bien, descendons à 5000 pieds et comme les fois précédentes, la descente sera au nord-ouest des installations, sensiblement. Voilà, maintenant, virage 30 degrés droite. C'est parfait, bah, le topo ne devrait pas attendre l'aéroport. Topo 60, on a évité l'aéroport, on va faire un 108 ans et revenir continuer la ligne pour les pompes. Merci, pas de problème. Ouais, ça me ferait bien, tu peux remettre à plat. À convenance, rappelez pas en 5, c'est pire en descente. Rappelons 5 ici en descente, Fox Hotel Oscar. Ouais, nickel. Fox Hotel Tango, quelle est votre position et votre altitude? En Fox Hotel Tango, on est à Escuta
et on est à 2100 pieds. Reçu, et ensuite c'est novembre Golf. Quelle est la route pour rejoindre Bernet, Fox Hotel Tango? Hôtel Tango, après le Escota, on vous passe la baie de Seine et nous voulons passer par Echo Delta, Echo Golf à destination de Bernet. Echo Delta, Echo Golf. En train de se faire pousser là, 22 degrés Echo Delta, Echo Golf, Hôtel Tango. Pour rejoindre Echo Delta, vous passez par Pointe-Carville. Non, ne voulons passer par travers Honfleur et puis Echo Delta. Reçu Fox Hôtel Tango, donc vous allez repasser travers l'heure, c'est correct. C'est connecté Hôtel Tango. Reçu, je comprends mieux, donc même chose qu'à l'aller, passer au moins 3 nautiques à l'ouest du terrain du Havre, à cause de l'activité parachutage. Rappelez-moi, travers ouest du Havre. Information sur rappel de grand. Pas d'ambiguïté possible. Le Havre Hôtel Tango. Hôtel Oscar, vous pouvez quitter la fréquence à tout à l'heure. Dans une minute 30. Midi. Ensuite quoi? Dans une minute 30, on change de réservoir, il a dit. Ouais. Donc voilà le village en question. Rappelle Jean-Luc, on y avait volé aussi pas mal, il y avait un cirque qui avait été mis là-dedans. Ouais, ouais, tout à fait. Justement là où il y a les grands bâtiments là. Moi, je me rappelle très bien. Là, on voit bien où est le musée. Là, il est où alors? Topo, là, là où il y a les ronds, là, les bâtiments blancs. Terminée. Ah oui, d'accord, effectivement. On va procéder sur Lima, Foxtrot, Québec, Québec. On aimerait avec la fameuse église, elle est là, tiens. Bac, Deeper à 3700 pieds, si possible. Voilà, encore 30 secondes, comme ça, c'est bien. Message terminé, vous retournez à Deal et confirmez la fin du message. On aimerait une route via Etrat, Bibac, c'est Deeper à 3700 pieds, si c'est possible. Reçu, okay. 61. Donc, on change de réservoir. Oh, 51, on procède. Je passe par le bas. 3700. Ok, gauche. De l'approche de Fox de l'Ordéo, nous quittons la station 3700 vous êtes identifié à radar, rappel en sortie. On rappelle en sortie, Fox de l'Ordéo. Fox Québec Romeo, rebonjour. Piper, deux personnes à bord en provenance de Cherbourg à destination d'Alençon. 2100 pieds, QNH 1027. 31. Fox Québec Romeo, transpondeur 70, 31. Donc tu peux filer à gauche pour aller sur les côtes là. Et là je descendrai bien 2000 pieds. Transpondeur 30 reçu. 703 unité. Québec Romeo, je confirme le transpondeur 70-31. 70-31 sur les côtes. Correct. Correct, pas problème. On va y aller doucement. Ouais. Donc je crois qu'ici à gauche, là, enfin devant nous maintenant, c'est Utah Beach. Ben, il doit y avoir un monument. Tiens, regarde à gauche là. Je me demande si c'est pas là Jean-Luc. Je vois pas. Quelque part là, là où il y a les trucs à huit. Souvenir d'avoir vu un mot, bah tiens, il est peut-être... il y a l'espèce de truc en hippodrome là. Ouais, peut-être derrière. Et juste derrière à gauche. C'est quoi cette zone, Pascal? Ouais, non, non, mais on est bien au-dessus. C'est 1000 pieds la zone là. Une réserve naturelle, tu sais. Ok. Fox Zulu, remets au point information voltige en cours vertical Bernet. Bien pris pour ouais, la voltige à Bernet. Oui, Jean-Luc. Ouais, je vois un bâtiment, enfin un bâtiment. Un truc d'élève, tu sais, qui est bien érigé là. Ok, on se remet droit devant. Donc tu vois ce qu'il y a de bien avec les CS, c'est qu'elle t'apprend la géographie des terrains militaires de l'époque du débarquement. Il y avait plein partout à droite là.
Bah, d'ailleurs, à côté de Sainte-Mère, il y en avait aussi de mémoire. Mon avis, il faut que tu écartes un peu à droite là, non? À gauche. À droite ou à gauche? Encore un peu à gauche? Non, non, pourquoi tu veux écarter à droite? Bah, y a pas une zone là sur laquelle on va passer? Il y a 1000 pieds. Bonjour. D'accord, 1000 pieds, non, c'est bon. Ok. Bonjour, Fox Delta Alpha. C'est la petite zone qui est là, tu vois, regarde, la réserve là. Fox Delta Alpha, Bruxelles B23, provenance de Rouen, à destination Pietrosa, et on voudrait remonter la ligne de côte vers le nord. Reçu ensuite un poser à Rouen. Exactement, retour à Rouen. Delta Alpha, affiché 3070-36, le QNH 1026, rappelé et donc là, tu peux te positionner 500 mètres sur la mer. On verra pas la pointe du haut. Et juste derrière là-bas. Hello, Minivia 106. Following SID, now passing 3800, climbing to flight level 70. On a besoin d'un terrain qui est juste là. 106, bonjour, turn left Lima Golf Lima, climb flight level 9-0. Left to Lima Golf Lima, climbing flight level 9-0, Midway 106. Il y en a à nouveau des reflets. Bonjour, Golf Alpha Tango, Lima Tango. Ok, visuel sur la pointe du York. Et là-bas, on a le rocher qui dégage, c'est la première pointe qui s'avance. Ouais. Ça fait une avancée comme ça, ça revient et après ça se jette dans la mer. Bah, la pointe du York, elle est là. Donc t'as la ville, ouais. Un champ de champs, de la verdure, du marron, ouais. Et derrière à gauche, t'as un truc avec un rocher qui détache. On passe à travers le Havre à 2100 pieds. Reçu Fox Hotel Tango dans le, pour le trafic CTR, contacté. Donc là, je dirais, si on veut bien voir les choses, pour moi, c'est 2000. On contacte 76, mal 3, merci, au revoir. Et là, on est au mine de rien. Italia 106, contact 124850, bye bye. 124850, goodbye, Italia 106. Alors, 06, longue sur mer 12, ça fait 18. Tout est dans le vert toujours. Alors, la pointe du Hoc. Ça, c'est le triangle qui est là. Ça, voilà, ouais, le rocher en forme de pyramide. Donc, on fait le Tu te décales bien par rapport à sa gauche. À 2100 pieds, par d'ailleurs. Non, tu le verras pas. Reçu Fox Echo Hotel, contactez la tour 118, décimal 3. 118, 3. Ouais, donc on voit tous les... Tout le site, là, bien pilonné. Ouais. La mer, bon, il y a pas mal de verre en dessous, là, quand même. Hein. C'est vert clair. Ouais, bah les algues vertes. Donc j'ai lu quelque part là récemment qu'il y avait des rochers qui s'étaient effondrés encore. Bah ouais, sur la pointe du Hoc, le rocher qui est au bout. C'est nickel. Ouais, très bien. Tu le vois là? Ben là tu vas le voir arriver là. Ouais. Là je vois. En fait faut que tu t'en sers pour caler tes distances par rapport à la côte pour les prochains. Ok, hop, passé. Ouais c'est bien, ouais c'est mieux là quand donc, même. Zulu Romeo, vous arrivez en sortie de TMA, donc toujours la voltige verticale Bernet dans votre secteur 2h pour 4 nautiques. Transpondeur 7000, Paris Info disponible sur 129 décimal 625. Transpondeur 7000, et on passe avec Paris. Merci pour votre service, Fox Zulu Romeo. Attention, remets-toi là-bas. Auprès de la Yonne. Comment?
C'est trop près là. Ah désolé, il est par là. En fait, tu peux continuer à viser le point là-bas au fond pour le moment. Alors, il y a des champs ici, il faut faire attention parce qu'il y a des ballots de paille. Et plus intéressant, c'est sur ceux où il y a des ballots de paille. C'est con. Attention, tu remontes, hein. Ah, tu veux qu'on reste à 2000? Ah ouais, non, on fait tout le côté à 2000 là, c'est bon. Ah, je vais le remonter, mais ok, vas-y. Non, non, 2000 là, ça fait en fait, c'est très bon là comme attitude. Comme quoi, 150 mètres, ça fait la différence, hein. Oui, t'as un parapente sur les falaises. Les matins, go radar identified. Ah ouais, visuel. T'as l'attitude? En haut. Non, non, il est très bas, il est très bas. Oh, il est au sol lui. Alors on va voir le cimetière de Colville quelque part, j'ai pas révisé donc Jean-Luc. Toi bah, qui est débarquement. Il est dans l'axe là, il est dans tes 13h. D'accord. Au milieu de la forêt là. Au milieu de la forêt à 13h. Juste devant nous. Ah visuel, ok visuel. Il est juste là, ouais, effectivement. Voilà. Donc dégage un peu à gauche, sinon tu le verras peut-être pas. Effectivement, il n'y a pas d'ambiguïté. En fait, c'est le grand monument qui le caractérise. Et voilà Jean-Luc, ah, ça y est, c'est bon, je vais l'attraper. Ouais, mais là, c'est bien, je vois. Donc, cimetière américain de Colville. Donc, il approche du Fox Hotel Oscar, rebonjour, approchant des donc, là, on est en territoire américain, vous êtes au courant? Ouais. Hôtel Oscar, monté approuvé au niveau 105. Ah, on voit les angles, c'est impressionnant. 68 à l'est pour 2-3 nautiques. Rappelez à 2 minutes du parachutage. Rappelons à 2 minutes du parachutage. Concession perpétuelle. Et on arrive des appels voilà. Au-dessus de la côte en direction juste en dessous. Hôtel Oscar. Parfait. Ouais. Ouais, j'ai déjà visité ici. Topo 51, trafic votre collègue dans vos 2 heures, bientôt 3, même altitude. Donc derrière tôt, là-bas, on va voir. Oui, on a un remanche là-bas. On voit bien les... Topo 61, votre collègue va passer dans vos midi bientôt pour 5 nautiques à la même altitude des filements gauche-droite. Merci aussi, on va essayer de regarder pour le collègue, Topo 61. Donc devant, ça doit être Port-en-Bessin, ouais, c'est ça. Et topo 51, voilà, le truc que c'est quoi un hôtel ou pour en baissant je pense. Une heure pour 4 nautiques et pour l'instant 800 pieds plus bas. On a le trafic par en V en montée, topo 51. Ouais voilà, très bien. Un poil à gauche encore. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Donc a priori pour en baissant. De mémoire on y avait été là en vacances. Topo 51, on a le topo 61 en vue. Merci. Devant nous nous avons le fameux port d'Aromanche. Tu peux viser encore à gauche, Yoann. On nous pousse ou quoi là? Ah non. Ah on a plus que 6 nœuds là, t'as vu? 12 nœuds de face.
Alors à gauche, la mer. Les flots. C'est pas complètement neutre en fait, il y a des trucs en... Je sais pas ce que c'est qu'on voit en fait, tous ces oui, petits trucs. Je sais pas ça, ce que je... Oui, j'aurais pu faire la même chose. Alors c'est peut-être des rochers, c'est des récifs, des trucs qui... Non, à fleur d'eau. C'est bizarre, non, je sais pas. Ça fait des bouchetages sur la surface. Ok, donc on a un remanche de vent et en plus le soleil il l'éclaire. Pile au moment où on arrive, c'est une bonne idée. -5 degrés à gauche, Johan. On est poussé, 4 nœuds, non. Comme ça on verra au moins quelques qui sont là. Ouais, ça me paraît bien. Et là on a passé une batterie allemande là qui est modélisée. Que je suis en train de chercher là justement. Elle est là à droite derrière. Merde, c'est exactement ce que je voulais voir et je l'ai largué. Ah oui, ça y est, visuel. Je l'ai vu après. Je suis en train de me dire, elle doit pas être loin, mais où? Ah, c'était le truc que je voulais filmer, disais. Je l'ai vu au dernier moment. Merci. Heureusement. Je me disais, mais un remanche, c'était juste avant un remanche en fait. Ouais. Je me suis laissé distraire par la mer. Et là, on est en plein dessus. Là. Ouais. Bon, topo 51, trafic convergent vers Étretat, dans vos 2 heures pour 10 nautiques, 200 pieds plus bas, en VL3. On regarde sur le trafic, topo 51. Delta Alpha, trafic à vos 10 heures, 10 nautiques, 200 pieds plus haut, un P68 qui converge vers Étretat. Ouvre l'œil. Donc il y a un remanche, on a la ville, on a le... Ils sont qu'on a aperçu rapidement. Et là on a en haut ici un cinéma particulier, c'est un cinéma 360. Enfin, il est beau qu'il y était maintenant, je sais pas. On voit les caissons là. Oui, c'est quoi ça? Topo 61, vous allez débuter un axe qui vous ramène vers le terrain du Havre. À la ferme, c'est Topo 61. Topo 61, je vous rappelle, vous avez déjà commencé là? Donc on est passé à l'heure prévue en plus. Beaucoup plus court, donc on passera pas vertical terrain normalement. D'accord. De Fox Québec Roméo. Je vous écoute. Donc Québec, vertical dans un quart d'heure maintenant. Un gros bateau rouge là-bas. C'est en retard. Hein, ouais. C'est en retard, sans parler à la nave. Ouais. En fait, il a triché parce que je l'attendais là-bas moi. Saleté de bateau. Ouais. Deauville de Fox Québec Roméo, je quitte la fréquence, je passe sur Civretor, merci. Reçu Québec Roméo. Donc là, on passe d'autres plages. Hein. Je les connais pas. Fox X-ray Oscar, Deauville. X-ray Oscar, j'écoute. X-ray Oscar, trafic ULM détecté dans vos midi pour 2-3 nautiques, 1000 pieds plus bas que vous. Reçu, pas de DGN pour le trafic, merci pour l'information, carte 2000. Deauville approche de Fox Golf Tango Juliette Charlie, bonjour. Fox Golf Tango Juliette Charlie, Deauville, bonjour. Bonjour, Juliette Charlie, c'est la 172 au départ de Le Havre, à destination de... Et là, bien à gauche, on passe au-dessus de Golf de 490, 2000 QNH, 4 personnes à bord. Juliette Charlie, reçu QNH 1026, transpondeur 7031. Vous savez, vous êtes au courant de ce qu'il y a à droite, là-bas? C'est quand qu'on va aller à Caen? Il est 300 pieds plus haut que vous là. J'ai visuel dans le... Ah Jean-Luc! T'as reconnu Caen bien sûr. Allez, on y va là. Non. On ne fréquente pas les terrains qui veulent pas de nous.
par... Topo 61, ben, ça attendra que vous, et on atterrit sans PPR. Que vous ayez éclairé la verticale du terrain, le largeur parapasse le niveau 85 monté. Merci Topo 61, on commence le virage pour la ligne en direction de l'Est et puis on voit pas sur la ligne. Ok, super, merci. Topo 51, on vient de passer Estrat à 3700 pieds avec le trafic en vue. Merci Topo 51, on poursuit un rappel en sortie. On poursuit un rappel rare en sortie de CMA, Topo 51. Deauville, Golf, Alpha Tango, Lima Tango, has Cherbourg in sight, would like to change frequency to 119.625. Lima Tango, squawk 7000, frequency change approved, bye-bye. On est bien là. 7000, and merci, au revoir, bon week-end. Merci. Votre hôtel Oscar a dévié du parasitaire niveau 105 au Havre. On est Deauville, non? Deauville est là-bas justement. Vous voyez un tout petit peu de délai. On arrive sur Whistler. D'accord. Fait son demi-tour. Juliette, Charlie, vous avez peut-être pas compris, le transpondeur 70-31 s'il vous plaît. 70-31 au transpondeur Juliette, Charlie, on n'avait pas compris. Toujours pas du élément vu. Elle était à 4 nautiques là, ouais. Je pense qu'elle aurait... On a bah, 3 bon. Nautiques, ça nous fait 1 minute 30 à peu près. C'est bon, et, bah, lui aussi s'il est censé être posé, donc je sais pas s'il était censé poser, mais je pense qu'on a croisé. En tout cas, il est à 1000 pieds plus bas. On est tapé sur la ligne en direction de l'Est pour environ 2 minutes. Parfait, merci. Ah, il y a un cas, il t'en fout. Oscar, largage approuvé par l'approche, vous voyez, avec le Havre 135-205, rappelé pour la descente. Alors, il s'est approuvé le Havre 135-205, qui rappelleront pour la descente. Alors, il ne faut pas tomber sur la flèche de l'église, hein. De manière générale, de toute façon, c'est pas recommandé. On va faire une photo de camp, s'il te plaît. J'ai un ami de camp qui veut faire un coucou. Jean-Luc ? Quoi ? Tu peux faire une photo de camp? Une photo de camp, et me l'envoyer s'il te plaît après. Je sais pas si mon appareil va pouvoir. Mais ça va rien donner d'ici. Ouais, j'espère bien, on est passé à côté de chez. C'est où là-bas là? Ah oui, ouais, c'est la grande ville qui est là-bas. Donc là, c'est je dis coucou à Jesse, si regarde la vidéo. Et il est des camps. Bon, je fais une photo, mais je sais pas ce que ça donne. Moi j'ai zoomé, mais pareil. Un peu loin et derrière, ouais, derrière un halo. Vous voulez descendre à 2000 pieds QNH? Bon, alors. 1000 pieds, la descente approuvée, 1000 pieds. Devant nous à droite, on a Wistreable. Donc on va voir le Pegasus Bridge un peu à droite là-bas. Donc dès qu'on a passé Wistreable, il faut qu'on voit avec eux pour leur demander ce qu'on peut faire. Ouais. Alors le Havre, où ça le Havre? Non, il est là-bas le Havre. Ouais, je sais pas si ça va être top. Hein. Ah, c'est loin quand même encore. Un peu à gauche là. Pour débuter la descente vers le Havre. Hôtel Oscar, descente approuvée, vous pouvez recontacter le Havre info 135 décimal 205 à tout à l'heure. Le Havre 135 décimal 205 tout à l'heure, comme Hôtel Oscar. On a Caen à droite là. En Boudel, on doit avoir le terrain. Même derrière maintenant. Ça n'a pas fait un gourd d'histoire, Jean-Luc. Non, parce que je cuis alors. Parce que quoi? Parce que je cuis. Tu cuis? Ah, et quand tu cuis, ta mémoire historique, c'est pas bon. Si tu veux, va... Ah pas... non, mais c'est bon. Mais c'est vrai que j'ai très chaud, là. Ouais, c'est vrai qu'on est du côté du soleil, hein, donc... Alors, j'ai essayé de vous attraper le Pegasus Bridge.
qui est quelque part là. Oh là, il est beaucoup plus haut là. Ouais. Ah, si tu peux le voir d'ici. Je sais pas, enfin on est dans la zone B, ouais. Parce que là-bas on a les zones nord, il doit être à mi-distance là. Bon, on va dire peut-être par là. Il essaiera de le chercher sur la vidéo. De toute façon, il a été déplacé, il est sur le côté maintenant. Ouais, mais il est remplacé, il y en a un autre. C'est ça, voilà. Au large de la Papa 32 Non, je vais laisser bon. Ok, oui, bon, vous éviter, j'espère, mais est-ce que vous passerez bon, à l'ouest ou au nord, sur la mer, ou vous passerez au sud? Alors, on a Trouville-sur-Mer droit devant là-bas. Alors, attends, voir. Donc là, si on continue à cette altitude, on rentre dans la CTR. Donc, il faudrait qu'on voit avec eux ce qu'on peut faire. Leur demander pour une verticale terrain. Juliette Charlie, est-ce que vous souhaitez monter dans la TMA à 2000 ou à travers la CTR ou 2005 depuis le côtier. Fox Golf Tango Juliette Charlie Deauville. Donc là on doit passer. Fox Golf Tango Juliette Charlie Deauville. Alors ça doit être le petit patin. Là, ça doit être Dive qui est devant nous, là. Topo 51, vous arrivez en sortie de TMA, transpondeur 7000, Paris Info, disponible sur 125 décimales 7, au revoir. 125 décimales 7, transpondeur 7000, merci beaucoup, bonne soirée. Topo 51. Oui, si, merci. Dovid, Israël Oscar. Israël Oscar, je vous écoute. Israël Oscar, ça sera possible de faire la verticale du terrain de Dovid à 2500 pieds? X-ray Oscar, a priori ça sera approuvé, pas de soucis, oui. Je remonte à 2500 pieds, on passe vertical Deauville, X-ray Oscar, merci monsieur. Je pense que je l'ai eu Pegasus, mais il est levé. Ah oui. Mais bon, la qualité sera moyenne. Bon, il y a des chances, ouais. Alors impossible de repérer, ah si peut-être là-bas. Donc de toute façon, on a 34, on a 3 minutes encore. 25 minutes. 25 minutes. Ok. Attends, j'arrive à 2500. Ok. 2500. On, je passe par le bas, pardon. Hop. Et en droite, on peut off, pression maintenue, vraiment. Encore 25 minutes, s'il te plaît. Et 32. C'est donc, bon, lancé. Donc 32 plus 25, ça fait 07. 07. Donc la pompe off, on est sur le réservoir droite, dernière fois 25. On off, vert, c'est bon. Ok, donc on passe par ici là, je pense. Et je vois pas le terrain. Oh, encore un peu. Fox Golf Tango Juliette Charlie, David, pour essayer de. Ah, quoique c'est vrai qu'on est, on est loin encore là. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on a été ralenti là. Encore 6 minutes. Ah, 14 nœuds, ouais. Encore 6 minutes. C'est Cessna 172, Fox Golf Tango Juliette Charlie Deauville. Peut-être une idée de ce que c'est alors le terrain. Derrière la ville là-bas, Deauville. Deauville, Fox, bravo X-ray, bonjour.
Media, X-ray Deauville Info, bonjour, identifié radar, rappelé travers Tankerville dans un premier temps. J'appelle travers Tankerville, Fox Media, X-ray. X-ray Oscar, contacté Deauville Tour, 118 décimal 3, plus tard. 118 décimal 3, X-ray Oscar. Deauville Tour de Fox Golf Mike, X-ray Oscar, bonjour. Fox Golf Mike, X-ray Oscar, Deauville Tour, bonjour. Vous êtes identifié radar, j'ai vos éléments. Rappelez vertical. Je rappelle vertical, X-ray Oscar, merci madame. Victor Yankee, je viens de passer l'île aux oiseaux et j'ai la 135-205 qui est prête pour passer avec Le Havre. C'est Victor Yankee, fin du service radar, contactez Le Havre Info 135-205 et libre à vous en sortie de RMZ de recontacter Deauville Info 121-425 si vous voulez les infos de trafic. Reçu pour le Fox Victor Yankee, j'appelle le 135-205 et éventuellement le 121-425 pour aller les infos Deauville. Merci, bah, sûrement à tout à l'heure. Julius Bordeaux, on est en option 30, on va poursuivre. Moi c'est Juliette Bravo à convenance, rappel fil numéro 1. Non, c'est pas trop tard, c'est trop vrai. Numéro 1, rappel final piste 30, Juliette Bravo. Non, c'est anti-fer, je pense. Ouais, voilà, c'est ça, anti-fer. Anti-fer. Et trop tard, c'est derrière en fait. X-ray Oscar, quelles sont vos intentions après la verticale? Après le vertical, on va... Rouen. Vers le bord de Rouen. X-ray Oscar, reçu, rappelez 2500 pieds vertical Deauville. Je rappelle 2500 pieds vertical Deauville, X-ray Oscar, merci madame. Et quelque part à gauche, là c'est la grande trouée, comme ça. Ouais. Alors, la ville de Deauville. La plage. Un peu plus de monde que tout à l'heure quand même. Ah oui, effectivement. On voit bien l'hippodrome. Alors pour la petite histoire simulationnesque, Jean-Luc, je viens de revoir là l'hippodrome. C'était un des tout premiers vols que j'avais fait en 2016, au départ de Deauville en ULM en guépard, sur les scènes de France VFR. Ah d'accord. Là, tu vois la tour, elle est là devant nous là. Donc à la rigueur, mets-toi juste à gauche là. Ouais, je vais faire la piste. Comme ça tu prends. Tu te mets là, comme ça tu coupes la piste plein centre à 2500. Et moi je verrai la tour. Ah la tour, j'ai pas vu la tour encore. Juste derrière la forêt en fait. Ouais, devant, ouais. Juste derrière la forêt. Okay. Donc si tu prends 10-15 degrés à gauche, tu passes au centre de la piste. Là on est sur un seuil. Ouais voilà, c'est bien. Là je pense que t'es centre de piste. Après je prends l'axe de la piste. Après tu dépasses de 20 secondes. Et tu t'orientes sur la route suivante, qui est donc du 94. Ok. On est 2500 pieds au mètre près. Hein, la tour, tu la vois Jean-Luc? Ouais, je la vois. Bon, est-ce qu'on salue Régis ou pas Jean-Luc? Il est en Corse, il est pas là. Ouais, je sais, mais est-ce qu'on le salue quand même? Non, mais c'est un traître. Ouais, c'est vrai en plus. Il était pas en Corse, il serait venu avec nous l'animal là. Ah c'est bah incroyable ça. Il redit tout ses, ouais, 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 son ouais, passé. Ouais. Non, non, mais c'est incroyable. D'ailleurs, qui c'est Régis? Ouais, je sais pas. Et là, c'est le pont de Deauville, le pont là-bas. Ah oui, effectivement, ouais. Bon, il y a du gros avion là. Enfin, du gros. Ouais. On va dire du bigros. Ok, tu peux les appeler, on est vertical. Juliette Bravo en finale 30. Juliette Bravo en finale 30, X-ray
Juliette Bravo, piste 30 autorisée, option vent 330 degrés, 7 nœuds. Option 30, Juliette Bravo. Extrait Oscar, vertical de la piste 2500 pieds, on route, prend route vers Rouen. Si Fox X-Roscar maintenait 2500 pieds, rappelez sortie est de la CTR. Je maintiens 2500 pieds et je rappelle sortie est de la CTR, X-Ray Oscar. Sympa, hein? Ah. Bon ben voilà, c'est la première fois qu'on y vient en réel. Donc il est 39. Hein. Et on a le pont de Normandie à gauche. Hein. Je tourne à gauche. Alors le pont de Normandie. Le pont de Normandie, voilà. On est un peu secoué quand même. Semble qu'on parlait de quelque chose de pas important, Jean-Luc, tu confirmes? De quoi? On parlait de quelque chose de pas important tout à l'heure, non? Non, non, mais on n'en parle plus. Eh ouais, ouais, résistance. On te lève toujours, on pense à toi, tu vois. Alors, le Havre. Ah, je vais jamais réussir à le photographier. Arrête de nous secouer, Johan. Oh là là. Mais moi, je t'ai pas autant secoué tout à l'heure. Non, j'arrive pas à le... Et j'ai pris le grand angle là parce que sinon c'est même pas la peine. Ah. Je sais pas ce que je photographie. Un truc qui est dehors. Ah non, ça saute à chaque fois. Il était en zoom là? Ouais. Bon alors, attends, on va essayer de faire un peu de travail de navigateur. 39, donc il y en a... Rouen, whisky dans 16 minutes en théorie. 125, on est 115. 120, 33 nautiques, ouais, 16 minutes. Ça fait 45. 45. Il y en a l'autre pont de Normandie là-bas. Là. Oui. Juliette Charlie de Ville Tour, vous me recevez? Ok. On a le péage ici. Donc tu fais gaffe, t'as une ville jaune qui est juste devant toi à droite, tu peux ouvrir 5 degrés à gauche. Hein. Une fois qu'on a passé la ville, on est en sortie de la CTR. 30 secondes après, c'est la sortie de CTR. Oscar, contacté de ville approche, 120 350. 120 350, extra Oscar, merci madame, au revoir. Whisky Radar, je vous rappelle Whisky Golf, Maxira. Ça fait encore un petit peu à gauche. Deauville approche de extra Oscar, rebonjour, on vient de quitter la tour et on continue vers Rouen 2500 pieds. Rebonjour extra Oscar, identifié radar, rappelé en sortie de TMA. On rappelle en sortie de TMA, extra Oscar. Alors, la suite. Deauville de Fox Golf Tango Juliette Charlie, on a appelé tout à l'heure pour quitter votre fréquence. 75. Juliette Charlie, Deauville, est-ce que vous me recevez là? Oui, on vous reçoit maintenant. Ah, Juliette Charlie, j'ai essayé de vous appeler des dizaines de fois, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, peut-être des petits problèmes avec les commutateurs radio, je pense. Alors, reçu Juliette Charlie, ben, vous êtes donc très loin de mes espaces, affiché 7000 au transpondeur. Vous pouvez peut-être contacter Rouen 118 décimal 575. Est-ce que tu veux 118 décimal 775, Rouen. Merci, bonne journée à vous. Alors je confirme 118 575. 118 575, Juliette Charlie. Deauville Info de Vox, de Fox Victor Yankee, rebonjour. Ça sera TMA de Rouen. Bonjour, c'est pas nécessaire, j'ai vos éléments rappelés passés en séquence. Je rappellerai passant en séquence, Fox Victor Yankee. TMA de Rouen. Info, je suis à Milan. Rouen, ouais. Ça c'est eux. Évreux après? Et après, ça sera Évreux, ouais. Ok. Donc là, tu restes
Tu prends cette ville, tu la laisses sur ta gauche et tu vises les éoliennes là-bas. Il y a encore un pont ici. Ouais. Ça, j'ai pas cette cale là. Ça va être Tancarville, ça. Tancarville, ouais. Donc on a Rouen quelque part en face, là-bas dans le loin, dans un petit quart d'heure. Alors, moi je l'avais pas. Ça va avec les secours, ça va. Non, non, t'inquiète pas. Quand on est aux commandes, on les sent moins, mais quand on est passager, c'est bon. Ouais, bon. Ah non, mais ça va, t'inquiète pas. Bon, si on est là, on passe au-dessus de l'autoroute, là. On la laisse à gauche, elle part vers là-bas, on est d'accord, il y a la 7. Ah, donc on voit si on va quand même la 7. Ah ben Rouen, c'est trop fond là, non ça paraît trop loin. D'ailleurs je vais tourner avant la ville. Et je reprends après, ah, je tourne à gauche. On va vers. Pour rattraper ma ligne. Ah oui, non, non, mais on est bon là. C'est bon, on peut rester ici. Ah ouais, ouais, pour moi on est bon là. Je suis sur le train là, regarde. Dessus. Ah oui, ok, pour être dessus toi. Ouais, mais fais... Non, te mets pas dessus parce que si tu te mets dessus, t'es sur la ville. C'est pour ça que je te disais de la laisser juste à ta gauche. Parce qu'on la tangente vraiment avec le train normalement. C'est quoi la ville ici? Et je sais pas, j'arrive pas à le lire. Pont quelque chose. Pont eau des mers. Petite eau de mer. Pont eau de mer. Pont eau de mer, voilà. Bon. C'est pas le seul normand qu'on connaît aussi ici. Hein. Il y en a un autre qui mérite de se faire un petit peu alpaguer là sur la Normandie. Okay. Vous serez maintenant toujours à 2-3 nautiques. Ah oui, c'est vrai. Notre Tristan national. Du Havre, non. C'est pas sur Route 61, on va commencer là. D'ailleurs, il est dans les parages. De l'ouest, ensuite, il va rester sur le Tristan d'Est, mais on va partir en direction. À l'occasion, tu peux lui passer mon bonjour, Jean-Luc. Ah, tu sais, on le voit très peu. De cette prochaine ligne, sur le groupe. Vous serez très proche de la verticale du Havre. Et sur le groupe, il le lira. Ah oui, d'accord. Plutôt côté nord du Havre. Tu mets un arrobas Tristan ou Tango, je sais plus. Hop, hop. Voilà. Alors. Il dit 55 pour être à Whisky, donc on a le temps. On a 10 minutes pour Whisky et 10 minutes pour changer de réservoir. 10 minutes bah, décidément. Pour changer de réservoir. Donc on va changer de réservoir à Whisky. Ah, il y a encore un joli pont là-bas. À gauche à 10h30. Tu vois la Seine là? Mais tu vas légèrement à droite, t'as la forêt derrière, t'as le pont. Ouais, ouais je vois. Ouais, bon on essaye et puis on verra bien. Bon, ça s'appelle Oscar, à 3 minutes du parachutage, au 105 au Havre. Hôtel Oscar, parachutage approuvé par l'approche, vous voyez avec le Havre Info 135, décimal 205, rappelé pour la descente. Parachutage approuvé, contactons le Havre 135, décimal 205, et rappelons pour la descente. Dans le vert. Je peux vous sortir pour information de largage vertical du Havre dans 2 minutes. Un peu plus à droite, Johan, tu es parti sur la gauche là maintenant. 0,94. Bon, moi je suis sur le train par là. Donc là on a des jolis étangs. Ouais. Pas facile de voir à travers les reflets. Fox India X-ray, trafic DR 400 en évolution, secteur étroit, 1000 pieds plus bas que vous m'aviserez si vous voulez descendre. Ouais, j'ai 10 ailes sur le trafic Fox India X-ray. On sort quand de leur CTR, ils ont demandé d'appeler. Dans 3 minutes, je dirais.
Et après on pourra passer avec eux. Oscar, vous arrivez bientôt en sortie de TMA, transpondeur 7000, vous pouvez contacter Rouen 118 décimal 575. 7000 et soit on contacte Rouen sur 118 575 extrait Oscar. Merci pour le service monsieur, bon après-midi, au revoir. Bon après-midi. Rouen de Fox Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour. Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour. Le Fox Golf Mike X-Ray Oscar, Eurobain DR400, 3 personnes à bord, en provenance de Granville, à destination de Logne, actuellement 2500 pieds, 7000 sur le transpondeur. On est à 6 minutes de temps whisky pour transit dans le TMA vers Logne. Reçu X-Ray Oscar, affiché transpondeur 3460, rappelé en sortie. 3, 4, 6, 0, et on rappelle en sortie, extrait Oscar. Demande-lui si Evreux est actif. Monsieur, à votre connaissance, Evreux est actif pour extrait Oscar? À ma connaissance, Evreux est inactif, je vous le dirai après. Merci. Ok, Whisky est là-bas en fait, devant nous là. Donc on a Rouen sur la gauche. Donc on a des jolis méandres de Seine là. Un jour il faudra qu'on y aille pour les faire. Enfin, pour les faire, ils sont déjà faits, on va les suivre, ça suffira. Jean-Luc, tu peux me passer l'autre carte, s'il te plaît? La grande, petite. La grande. Merci. Ah ben voilà. Tiens, je te fais un échange standard. Voilà. Ben c'est mieux, là. C'est mieux, mais je sais plus où je suis. Ah, on va traverser une forêt et là, c'est ici que va se couer, hein. Ouais. Alors justement, tu vois le devant nous, derrière la forêt, t'as un truc tout en blanc là. Oui. Bah je pense que Whisky c'est ça. D'accord. Donc si tu te mets légèrement à gauche, t'es tranquille parce que derrière le blanc, il y a pas mal de villes. On est sur de la ville, tu sais, jaune, orange, orange. Ok, mais bon, en comptant, je pensais de passer par la droite. Oui, t'es beaucoup de forêt. Ah oui. Bah par la droite, on va falloir descendre assez bas quoi. Pas une bonne idée. Pourquoi? On va rentrer plus rapidement dans la TMA d'Evreux. Et puis derrière le circuit il est un peu plus tordu parce que derrière il y a des villes également. D'accord. Donc au niveau de la trajectoire c'est plus... Vers la gauche, vas-y. Non, tu te mets juste en bordure en fait finalement là, de la forêt, tu sais. Ok, on fait comme ça. En fait on la traverse finalement assez rapidement. Bon alors ce que tu fais c'est que tu restes sur la partie droite, tu sais. Tu vises la petite ville à gauche là, à droite pardon. Ouais. Après tu traverses la forêt sur le blanc, tu te mets légèrement à gauche, et après on a squeezé la forêt comme ça. Ok, on fait comme ça. Donc Rouen, 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 Rouen. C'est un peu plus secoué aujourd'hui hein, quand même. Avec la chaleur. Ouais. À 20 degrés ici, donc 30 au sol là.
On te verra là, tout à l'heure quand on sera à 1500. Ouais. Ah bah oui. En plus de ça, derrière personne, on va être au-dessus de la forêt. Hein. Bon, qui c'est qui gère le premier? J'espère que c'est pas moi. Non, toi en dernier, Johan. Ça c'est Rouen? Ouais. Ouais. C'est la zone industrielle et tout. Ouais, ça c'est le port... Ouais, c'est le port de Rouen, ça. Rouen du motoplaneur Fox, Charlie Golf, Yankee, Mike, bonjour. Yankee Mike, rebonjour. La Fox Charlie Golf Yankee Mike, motoplaneur au parking Alpha, deux personnes à bord. Oh, wow. Regardez le code transpondeur 3455. Eh bien c'est très bien, gardez 3455, roulez point d'attente 04. Et on roule point d'attente 04 pour le motoplaneur Yankee Mike. Degrés à gauche, des patins en dessous là, des grands patins, enfin des étendus, je sais pas s'ils sont grands mais ils sont étendus. On a passé le point novembre et terrain en fait. Reçu, rappel début de vente arrière gauche 04. On rappelle le début de vente arrière 04, c'est ça. Alors regarde, si tu veux éviter cette partie de forêt là, tu peux aller prendre l'autre partie là-bas, revenir à gauche, taper la forêt qui est là-bas. Donc tandis que là on est bien là. Ouais. Je laisse passer juste à la petite ville et après je pars à gauche, ouais. Je rejoins Whisky. Ça. En plus on va voir des falaises, là c'est bien. Bon, alors on essaye de revoir le port. Donc après Rouen, si c'est pas Évreux, c'est sur quelle fréquence? Ça sera Itrépagny, ça sera, sinon ça sera Paris Info. Quelle fréquence? En 25-7. Et une cathédrale à Rouen aussi. Un grand bâtiment comme ça. Souvenir de quelque chose, mais je sais pas Delta, si c'est... C'est Alpha numéro 1, rappel final. Numéro 1, je rappelle final. C'est quoi notre point après Whisky? Après Whisky, ça sera Trépani. Donc là normalement on continue tout droit dans l'axe hein, et on va direct sur Trépani. On est quasiment dans la même... Ouais tu vois de 94 on passe à 89. Donc en gros on va tout droit là-bas. Dans 15 secondes changement de réservoir. Changement de réservoir. Pop on. Je passe par le réservoir en bas. Ah tiens, je passe sur le gauche dernière fois. Pop off, j'ai la pression. C'est bon, encore dernière fois, 25 minutes s'il te plaît. Ok. 57, 57. On a du 10 de face, 5 de travers. Elle n'a pas activé là. Non. X-ray Golf, poursuivez avec Paris Control 128-875, au revoir. Je vais poursuivre avec Paris Control 128-875, merci, au revoir pour X-ray Golf. Ouais, ça y est. Alors. Voilà. Et Rouen, bonjour du topo 61. 61, j'écoute, bonjour. Et bonjour topo 61, partenariat vers 68 en VFR de Suez à la destination de Lille. On approche de vos terrains à 4 mètres bien, on fait au direct. Oui, tout à fait, la piste on est travers. Reçu 61, affiché 3, 4, 6 unités, rappelé en sortie.
346-8, on vous rappelle en sortie, Topo 61, merci. Votre planeur Fox Yankee Mike au point d'attente Tango 3, prêt à départ. Break, Delta Alpha, la position. On passe base, Delta Alpha. Reçu. Yankee Mike, maintenez la position, trafic en base. On maintient la Fox Yankee Mike. Non, ça va passer, Yankee Mike, vous pouvez être assez rapide au roulage. Je vais faire un roulage et décollage. Ah ben, rolling take-off, alors alignez-vous, autorisez décollage, 0,70 degrés, 8 nœuds. Merci, Mike, alignement et décollage rapide, en 0,4. Caméra 7 est toujours on. Ouais, c'est bon. Et le merci. Donc t'as vu Jean-Luc à droite là? Ouais. La scène comme ça et qui nous amène derrière là-bas à, 5 km au château de au château Gaillard. D'accord. Delta Alpha, dernier virage et on a visuel pour le départ. Delta Alpha, dernier vent 0,70 degrés, 10 nœuds, autorisé atterrissage complet. On a pris Delta Alpha. Donc là on va aller à 2 minutes de la TMA d'Evreux. Et qu'on sache, ça serait bien. Et on sort quand de chez... Bah, regarde, elle est juste là. Oh. Encore 2 minutes. 2 minutes, ouais. Bah, disons que c'est à l'actif, il faut qu'on soit, qu'on les contacte avant. Il nous a dit que inactif, donc... Je pensais qu'il était inactif, ouais. Ah tiens, remarque, regarde ça. Wand, Fox Hotel Lima, Hôtel Charlie, bonjour. Hôtel Lima, Hôtel Charlie, bonjour. Bonjour, bonjour madame, c'est un Piclin P2010. Deux personnes à bord en provenance Dieppe à destination de Toussus-le-Noble. On vient de quitter le circuit de Dieppe à 2500 pieds, QNH 1026, transpondeur 7000. Ouais, vous avez affiché 3462, rappelé en sortie. A priori, elle ne serait pas active. 3462, on rappelle en sortie et on voudrait monter 5000 pieds si c'est possible. Oui, à votre convenance. Ok, on monte 5000 pieds, hôtel Charlie. Fox X-ray Oscar, vous êtes presque en sortie. Evreux n'est toujours pas actif. Transpondeur 7000, pouvez quitter. Au revoir. Au revoir, monsieur. 7000, on quitte la fréquence. Merci. C'est une quarantaine de nautiques. Reçu, donc avec scène 127-615, stop, je vous demande Charlie et on passe 7000. Au revoir, madame, merci. Oui, au revoir. Paris Info, bonjour madame, le Fox Golf Mike X-ray Oscar. Fox Golf Mike X-ray Oscar, Paris Information, bonjour. Le Fox Golf Mike X-ray Oscar, en Robin DR403 par son à bord en provenance de Granville à destination de Logne. On vient de quitter avec Rouen, on est à 2500 pieds, 7000 sur le transpondeur. Et pour information de vol, s'il vous plaît. X-ray Oscar, le transpondeur 7005. 7005 sur le transpondeur X-ray Oscar. Make it 2005 on the
Union Robert, copy, Daniel Cani, ma frequency, contact SEN, 1034. Ouais, c'est Jean-Luc maintenant. Ouais, c'est mieux. Ça change toujours. Pontoise s'approche. Paris Info 2, Fox, bravo Papa Romeo Tango, bonjour. Fox, bravo Papa Romeo Tango, Paris Information, bonjour. Fox, bravo Papa Romeo Tango, 21-221, deux personnes à bord en provenance de Saint-Cyr pour un local. Tu peux passer la petite carte, s'il te plaît, Jean-Luc. Pardon, la petite carte. Romeo Tango, le transpondeur 7002. Merci. Transpondeur 7002, Fox, Papa Romeo Tango. Novembre Charlie Delta, Paris Information. Charlie Delta. Novembre Charlie Delta, donc 7000 au transpondeur, vous quittez ma fréquence, vous pouvez passer avec SEN 127-815. Et donc si ça ne fonctionne pas, vous passerez sur la fréquence 134-875 d'ici une cinquantaine de nautiques. Si ça marche pas. Madame, 134-875 avec Charlie Delta. Bon, alors... X-ray Oscar, Paris Info, vous êtes identifié. Merci madame, X-ray Oscar. Via Delta, Paris Info. Via Delta. Via Delta pour passer avec Rouen, 118-575, je vous récupère tout à l'heure. Bon, oui, c'est Via Delta, on passe à Rouen. Romeo Tango, vous êtes identifié. Ah, aussi, on passe à Rouen. On va arriver sur Étrépagny. Il y a un terminal devant là. Étrépagny est juste derrière. Ok. Et à quel moment je dois descendre? Bon, on a le temps encore. Après Étrépagny, je dois descendre? Non, tu peux rester à 2005. T'es sûr? Ouais. Et où la limite? Et je sors. Non, de toute façon, c'était Méru, la limite. Alors, quand on arrive à Gisors, 3 minutes après, on arrive à Gisors, on quittera Paris Info pour DMA Pontoise. Ok. Donc, électricité dans le verre, un peu huile, pression et température dans le verre, essence dans le verre, quantité correcte, cohérente, ça on n'a plus rien, là, il nous reste encore 15 minutes et on a tout le central encore. Ouais. Tout est bon et on reste 2500 pieds, puissance 2500 tour. Donc là on a la ville des Trépani, le terrain il est quelque part juste derrière, a priori, enfin si c'est ça la ville, ouais regarde-toi. LFFY, hein. Le terrain il est derrière dans le prolongement. C'est une piste en herbe. On doit peut-être les hangars de la piste là-bas. De toute façon, le tour de piste est à 1000 pieds, donc on est bien au-dessus. Et c'est ici que Deauville commence? Deauville? Ouais, c'est ça, ça va être par là, ouais. Pontoise, je voulais dire. Ouais, Pontoise, ouais, ça va être par là. Ouais, donc directement après le vertical, on doit contacter... En fait, ça a plus de place, regarde. Ah non, ça c'est pas Pontoise, ça doit être celle-là, là. Regarde. C'est la VFR 3005. Celle que tu vois, c'est VFR 3005 qui est là. Ok. On va se faire secouer. Bah oui, il y a deux vents, j'ai 10 notes un peu par là. Le vent vient, on voit les éoliennes, donc on a le vent comme ça. 15 nœuds comme ça à peu près.
Tu vois le terrain des Trépanis, il est juste là. Mais je regarde la ville. Oui, je vois. Ah, info du Fox Majesta, bonjour. Bam, ping. Ah, bah dis donc. 12 nœuds, 19 nœuds, oui, on va. Il y a devant et il y a des infos. Fox Majesta, bonjour. Fox Majesta, Paris Info, bonjour. Oui, bonjour madame. Fox Hotel Lima, Mike Delta, un DR500, 3 personnes à bord en provenance d'Apsheim et à destination des bureaux pour de suivi de vol. Mike Delta reçu, affiché 70-17, 70 unité 7. 70 unité 7, Fox Mike Delta. Est-ce que tu penses qu'on a besoin d'utiliser le réchauffe carbone en vent arrière? En vent arrière? Là ça m'étonnerait. Plus que 20, c'est sec, t'as pas besoin de réchauffe carbone. Ouais, je pense que ça devrait être bon là. On verra la température à ce moment là, mais je crois qu'on va être... La mission va être dans les 25 degrés. 7000 au transpondeur, une personne à bord, pour information. Alors, okay. Kiraxilo, fiché 70-12-70 unité 2, rappelez le HUS, le type d'appareil. 70-12 et le type d'appareil, c'est un FK9. C'est un ultralégé. Peut-être je le mettrai un peu en vent arrière et je le. Il ne faut pas oublier de l'enlever après en finale. Ouais. On fait comme ça. On va voir la procédure. Il est petit ce terrain, t'as vu ça? C'est... Ah oui, je vois la piste. Elle a l'air d'être courte. Hein. Alors pour info, j'ai perdu le contact radar. Ouais. Vous m'avez retrouvé? Non, non, je vous vois pas. Je pense que vous êtes peut-être un peu bas. Je vous rappelle quand j'ai le contact. Je suis à 1300. C'est un terrain privé? Il n'est pas ouvert à la cape, le. Je suis là. Il n'est pas ouvert à la cape? Ah oui, c'est un restreint peut-être, ouais. 578, pas de tirage, je vous rappelle. Ah oui, la piste est très... Fox Hotel Lima, Mac Delta. Mac Delta, j'écoute. Vous gardez ce cap? Ça va, ça va. Donc là, tu vois, c'est la ville de Gisors, ouais. Reçu, donc vous affichez... 2 minutes après, on est sur la TMA. C'est Beauvais, 119, décimal 8, au revoir. 119, décimal 8, et 7 le transfondeur, ça va. Donc ce Sierra Kilo est donc ici à je tourne à droite. On reste là, on est bien. A gauche du terrain, on est bien. A gauche de la ville, pardon, on est bien. Entre les deux. Extrait Oscar, j'écoute. On passerait par Pontoise, Beauvais. J'affirme, extrait Oscar. Pontoise, c'est correct? Correct, extrait Oscar. Reçu, donc d'ici une demi-minute, vous m'en restez contacté. Enfin, dès à présent, je pense, je quitte la fréquence et je contacte Pontoise. Reçu, donc 7000 avec Pontoise 118 décimal 8, au revoir. 7000, 118 décimal 8, merci madame, au revoir. Devant Papa Xira, bonjour. Parfait, taxi, bac 0 étoile. Tu peux leur dire qu'on est 2 minutes 10 ans. Sur 10 ans. Attends, j'ai sur lui, bonjour. Je vais être Charlie Pontoise, bonjour. Juliette Charlie, via 20 participer à ces deux personnes à bord, information Fox pour un vol local entre deux sols et deux villes. Je demande le roulage. Je vais être Charlie, 70-50, on est point d'attente Alpha 05. 70-50, je roule à 305, je vais être Charlie. Pontoise de Fox Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour monsieur. Fox Golf Mike X-Ray Oscar, pardon, je vais y arriver, bonjour. Bonjour, le Fox Golf Mike X-Ray Oscar Robin DR400, 3 personnes à bord, en provenance de Granville à destination de Logne. On va transiter par votre TMA dans 2 minutes, 2500 pieds, par information de vol, s'il vous plaît. Fox X-Ray Oscar, transpondeur 4230, identifié QNH 1024, transit approuvé. 4230 et le QNH, s'il vous plaît. 1024. 1024, X-Ray Oscar, merci. Ouais, fais gaffe, on est bien au-dessus de la ville quand même, enfin on est pas près, on est assez près. Fox Sierra Romeo, depuis Juliette, remontée piste 05 via Bravo, roulez point d'attente Alpha. Ah ouais, piste de travers. 05 via Bravo, je vais Alpha, Sierra Romeo. Voilà, je peux rejoindre ma...
L'entrée maintenant. Hein? Je peux revenir en rejoindre à l'entrée? Pas encore. Il y a encore pas mal des patins là. Fox, Juliette Lima, trafic, 3 o'clock. De toute façon, c'est pas grave parce que nous on va tirer sur la gauche après. 300 feet below, Cessna. J'appelle là ici comme ça, on va tirer légèrement à gauche pour passer sur la ligne. On va tangenter comme ça par là à gauche. Fox Bravo Sierra, trafic, 3h, nautique, route au sud, DR400, même altitude. Bravo Sierra, on est en train de tourner au cap 300, donc c'est pas tourné. Ouais, non, bon, mais c'est croisé de toute façon. Bon, on est dans les zones de Joe ici là. Bon, salut! Comment il s'appelle? Christophe également! Docteur Bilin! Docteur Bilin! Ben, on l'avait vu l'autre fois. Après, il y a encore un petit patelin là, puis après, tu peux reprendre la route si tu veux. Enfin, la route. À l'extérieur de la DMA. Bon, aussi un reçu, transpondeur 7000. On passe à la verticale de Papa Alpha ou pas? Papa Alpha, oui, tout à fait. Ouais. Donc on passe à la verticale. Le problème, c'est que si on passe vraiment sur le trait, on va rentrer dans la CTR. Pour la on va être au-dessus des villes. Oh, ouais, en fait, tu fais légèrement dévier à gauche au sud de Méru. Comme ça, et ensuite tu viens dessus. Comme ça, on évite toute une zone urbaine. Quand on passe sur la route, hop, on descend. Enfin, je pense qu'on descendra à 1000 pieds avant, 2000 pieds avant. Quand on sera au-dessus de l'autoroute, hop, 1500 pieds. Et là, on est déjà avec eux, donc si on tangente un peu leur zone, ça ouais. va... Ah bah, de toute façon, elle est celle-là, la CTR, là, elle est 1500 pieds, donc on est bon. Ah, ok. En fait, on passe là, ici. Fox Oscar 2 fois, piste 0,5, autorisé, touché, vent 0,50 degrés, 10. Ah bah tiens, il y a la ligne de chemin de fer qui est là. Donc on est au-dessus de ce patelin ici, là. Voilà. Foxeco X-ray pour information de la voltige sur Persan. Information reçue, Foxeco X-ray. X-ray Oscar, vérifiez bien 2500 pieds maximum. Je vous détecte un petit peu au-dessus. Ah oui, je corrige, pardon, je descends 2500 pieds X-ray Oscar. Pas de soucis. Voilà, il aura fait un plein le rembras. Bon, on s'est pris un coup de pied au cul, t'as entendu? T'as pas senti une claque? Alors, donc on a de la voltige à Persan. Donc on pourra passer un nautique au nord de Persan, c'est bon. On verra la ville, on va pouvoir... Écoutez, si vous gardez cette route, vous allez passer légèrement au nord de la zone de voltige, donc pas plus à droite. Et contactez Beauvais Approche, 123 décimales 985. Je passe sur Beauvais Approche, 123 décimales 985 de Fox Echo X-ray, merci pour le service. Avec plaisir. Fox Oscar Delta, trafic 10h, 3 nautiques, gauche droite, DR400, 500 pieds haut. Reçu, pas de visée pour l'instant, c'est vrai ça. Fox Juliet Lima, traffic 1 o'clock, 3 miles, right to left, DR 300, 500 feet below. 1 o'clock, another traffic, right to left, 500 below, not inside Juliet Lima. Donc on est avec Persan après. Parce qu'à
Delta, le trafic est maintenant médian, okay, notre circuit gauche droite, 500 pieds haut. Visuel Oscar Delta. Juliette Lima, traffic 2 o'clock, less than 1 mile, right to left, 500 feet below, and the other traffic as the journal new. Another traffic 2 o'clock, 500 below, not in sight, Juliette Lima. Les vents s'est croisé, Oscar Delta. Charlie Alpha 05, on est prêt départ. Fox Juliette Charlie à niveau piste 05, autorisé décollage, 0,40 degrés 10 nœuds, trafic, montée initiale, 1 Lyon-Sault. Piste 05, autorisé décollage, Charlie, sur la montée. Ouais, ouais, j'ai vu. De X-ray Oscar pour descendre à 2000 pieds. X-ray Oscar, 2000 pieds approuvé. À 2000 pieds, X-ray Oscar. Fox Trot, uniforme Roméo, bonjour. Fox, uniforme Roméo, Pontoise, bonjour. Donc là. Fox Trot, Golf, a priori pour moi, uniforme Roméo, Pontoise, là, bonjour. C'est la ville de Méru. En provenance de Châtenay pour un transit vers Rouen. On va avoir un échangeur, un péage en uniforme dessous, Roméo, chose comme ça. Transpondeur 4231, en fait. Confirmé type d'appareil. Juste après Méru. Uniforme Roméo, je positionne le transpondeur. Et là-bas. Tu vois la route, tu vois la barrière du péage. Vous avez jusqu'au péage. Donc tu peux chercher la verticale du péage. Uniforme Roméo reçu, identifié, transit approuvé, QNH 1024, 2500 pieds max. Uniforme Roméo approuvé, je transite QNH 1024. J'ai pas retenu le reste, excusez-moi. Non, je vous disais 2500 pieds max, mais le reste était bon. Ok, uniforme aéro 2500 pieds max. Juliette Lima, request descending 1500 feet. Juliette Lima, 1500, QNH 1024. À gauche, tu cherches les champs là-bas, après la ville, à droite, et on tire sur le versant moment. 500 feet, 1025, and 7000 on the squawk, and leave the frequency, have a good day, thank you. Oscar Delta, longue finale 05 pour un complet. Oscar Delta numéro 1, rappelez courte. Numéro 1, rappelez courte sur Oscar Delta. Juliette Charlie identifié, rappelez en sortie. Rappelez fin d'évolution, pardon. Allez, en fait, on reste à la thèse. Oui, pardon, rappelez en fin d'évolution. C'est bon, ça résout ça, Juliette Charlie. Voilà, tu peux prendre à gauche, là, Juliette Charlie, pour info, le Lyon-Sault devant vous, là, sortira avec une route à ouest. On va passer à côté de la ville, là. Oui, j'ai vu, Juliette Charlie. Quand on l'aura passé, je te dirai de virer à droite pour reprendre la bonne route. Uniforme Roméo, position Sierra Whiskey. Uniforme Roméo, le transpondeur 4-2. Visuel sur Persan. Là-bas. Comment? Visuel sur Persan là-bas, oui. A priori. Tu le vois? Oui, je vois. Bag 081 is ready, taxi. Donc finalement, une fois que t'es là-bas, tu cherches à viser la forêt en restant bien à gauche là. Uniforme Roméo. Epeg 081, Roger. Attack holding point Echo runway 30. Backtrack runway 12, then first left on Delta. Taxi holding point Alpha runway 05. Ah, des 25 minutes. Tito Lipong Echo runway 30. Je passe en central. Delta Alpha, Lipong runway 05, Epeg 05. Pression maintenue. Moteur correct, les instruments dans le vert. C'est bon, merci. X-ray Oscar, vous restez à cette altitude et vous passez au nord de Persan? Affirme, X-ray Oscar. Monsieur X-ray Oscar, donc prenez une route légèrement plus sur la gauche, une dizaine de degrés sur la gauche pour éviter la zone de voltige de Persan. Et contactez Beauvais Approche, 123-985, au revoir. 123-985 et virote à gauche, X-ray Oscar, merci, monsieur, pour le service. Donc on peut tourner. Uniforme Roméo, vous arrivez en sortie. Mauvais. Donc on va partir, on va descendre à Persan. Persan, il faut qu'on soit à 1500. Je continue de descendre 1500 déjà. Tu peux commencer. Okay, enfin, tu demandes à Beauvais déjà. Oui, Beauvais, je vous écoute. Je suis à... au nord de Feuquières, là, en descente, j'essaye de remonter, je suis à 3000 pieds. C'est pas hyper grand à vue. Je vais avoir du trafic commercial en finale 12, donc je vais vous demander de passer par la TMA 2.2, maximum 4500 pieds. Oui, entendu. Est-ce que vous me laissez remonter par là? Là, je suis vraiment par terre. Hein.
Oui, dans le nord, là, sur votre position, il n'y a pas de problème. Par contre, je vais vous demander de passer par l'ouest après. Oui, entendu, donc je passe par la sortie l'ouest de Bourlay, ça vous va? À droite maintenant. Oui, mais de votre position, une fois que vous aurez remonté, vous prenez un cap plein ouest. D'accord. Il passe en combien de temps l'avion? Est-ce que vous avez un bon contact sur vous? Ah ça, je vous ai bien au radar et il sera là d'ici une dizaine de minutes. D'accord, j'ai pu comprendre qu'il y avait pas mal de problèmes précédemment avec mes collègues. Et ça m'embarrasse. Il va raconter ça avec lui. Je conseille également les pauvres. Ben oui, mais j'arrête de jouer. C'est qui lui, on est avec qui? Là on est avec Beauvais là. Beauvais de Fox Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour madame. Fox X-Ray Oscar, bonjour. Le Fox Golf Mike X-Ray Oscar, on est à 1500 pieds nord de terrain de Papa Alpha et en provenance de Granville à destination de Logne. Fatigué, je vais y arriver. Pour information de vol s'il vous plaît. Fox X-Ray Oscar, reçu le transpondeur 7040, QNH 1025, 25. Ah. 7040 sur le transpondeur et 1025 QNH, X-Ray Oscar. X-Ray Oscar, vous ferez attention, il y a du trafic sur le terrain de Persan, vous ouvrez l'œil? On ouvre l'œil, X-Ray Oscar, on ne voit pas à gauche comme ça. On vient de croiser un avion qui était beaucoup plus bas. Fox Hotel Alpha Delta Papa, here for Ingrid, from Le Touquet to Logne, 3000, currently south of Amiens, for traffic information. Fox Delta Papa, stroke 70. En fait, tu peux rester sur l'axe au-dessus de la forêt là. Croaking, je vais faire un GPS. Delta Papa. Fox Zulu Alpha. Et après, ça sera direct. Fox Hotel Alpha, Zulu Alpha. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on reste au-dessus de la forêt. On frôle la ville qui est à gauche, là. Donc, pareil, ça, c'est une ville jaune en dessous, là. Donc, il faut passer entre les deux. Et une fois qu'on est derrière ça, on devrait voir un lac. On passe plus ou moins en vertical. Et on reprend la route sur Plessis. Après Plessis, on contacte par info ou par direct? Moi je pense qu'on va le contacter avant. Par contre, 1500. Un P2002, une personne à bord en prenant le chemin et à destination de Saint-Pierre-les-Voiles pour transiter à 2000 pieds. Fox Zulu Alpha, le transpondeur 7040, QNH 1025. Transpondeur 7040, QNH 1025, Zulu Alpha. Et Zulu Alpha, rappelé au point novembre. Je rappelle au point de novembre, je ne vous vois pas. Dans 1500 là. Oui, je corrige. On arrive dans la classe là. Oui, je corrige. Fox X-Ray Oscar, vous poursuivez à ce cap là? X-Ray Oscar jusqu'à Plessis, après je prendrai la route à droite. X-Ray Oscar dans ce cas, transpondeur 7000 est contacté par Info sur 125 décimal 7. Bonne journée. 125 décimal 7. Bonne journée madame, merci, au revoir. Beauvais, bonjour Rainer. 125-7, 7000. Fox Papa Yankee. Info, je détecte un trafic dans vos 11h midi. Vous allez voir dans moins de 2 minutes, route inverse, 500 pieds bas. J'ai compris, j'ai pas. Non, mais le lac en question, il est là. Vous n'avez rien faute au 7 charrier, on descend à 3000 pieds, QNH, 1024. Rien pour vous, aujourd'hui, Fox Alpha Fox. Rien pour vous, Fox Alpha Fox, bonjour.
Tu peux te mettre à droite maintenant, là, par là-bas. C'est quoi le château qui est à gauche? Chantilly. Ah ben oui, effectivement, on passe juste au sud de Chantilly. Midi, 600 pieds bas en descente, route inverse, vous allez le croiser dans quelques secondes. Ok, vas-y. Alors, gros, tu peux viser BP là maintenant et tu restes sur cet axe. Ok. Et tiens, ben, reste... pareil, info de Fox Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour madame. Fox Golf Mike X-Ray Oscar, je vous rappelle. Marc Astérix. À Paillanty, le trafic est légèrement avant 11h midi, là il va passer proche de vous. Il est encore en descente, hein. Là il a mis le pied en descente. Oh, parfait, toujours pas visuel, mais un grand merci, Fox Paillanty. Bon prix. Fox Golf Mike X-Ray Oscar, bonjour, allez-y. Bonjour, le Fox X-Ray Oscar. On repeint DR 403 personnes à bord en provenance de Granville à destination de Logne. 1500 pieds nord du parc d'Astérix. Bon, information de vol, s'il vous plaît. X-Ray Oscar, reçu 70-17 au transpondeur unité 7. 7-0 unité 7 sur le transpondeur X-Ray Oscar. Alpha Fox identifié à l'heure. T'as vu Jean-Luc ? Paris Info du Fox, ouais. Hôtel Velo Oscar de fois, bonjour. On y était passé une fois. Fox Golf Hôtel Zulu de fois, bonjour. Fox Oscar Velo de... Fox Hôtel Velo Oscar de fois, bonjour. À un lionceau de personnes à bord en provenance de Pontoise, destination de Rouen, au nord de Gisors, à 1800 plus. Et on peut dire qu'on le voit bien. Ouais. Vous allez répéter juste le terrain de départ et le nombre de personnes à bord, s'il vous plaît. Oscar de fois, deux personnes à bord en provenance de Pontoise. Là, tu peux virer légèrement à droite Oscar maintenant. Oscar de fois, 70-05 au transpondeur. 15 degrés à droite, Johan. Transpondeur Oscar de fois, 70-05. Parfait. Paris Information, Fox Romeo Bravo, bonjour. On voit Astérix sur le rocher là. Fox Romeo Bravo, bonjour. De Papa Victor Romeo Bravo. Il y en a qui sont dans l'huile. Voilà le petit château en face. Echo, ah ouais, le petit château effectivement. Je suis stable au niveau 95, 7000 au transpondeur. Romeo Victor affiché 70 en unité de fois. Je répète, Chrono Bravo, 70-11, unité de fois. 70-11, Fox Romeo Bravo, merci. Fox Hôtel Zulu, Oscar de fois. Oscar de fois, répété. Hôtel Zulu, Oscar de fois. Oscar de fois, j'écoute. Noton. Attention, le câble de masse de la pompe numéro 3 est cassé. On est loin, Yohan, on est loin. Le câble de la pompe numéro 4. Attention, escalière. Vent 0,20 degrés, 7 nœuds, maximum 14 nœuds, variable du 340 degrés au 0,90 degrés. Visibilité 10 km, température 26, QNH unité 024, coucher du soleil 19h58 EC. Informez-le un premier contact, vous avez reçu information, India, merci. Good day, this is the information, India, recorded at 1445 UTC. Runway New 08, au bout. Au-dessus 7500, attention du trafic. Alors, il doit y avoir le terrain quelque part à droite, mais je le vois pas. Bonjour, Fox Papa Mike Tango Victor. Je vous rappelle Tango Victor. Vous pouvez répéter pour le Fox, remonte à vous. Oui, je disais, vous pouviez quitter 7000, vous faites attention, vous avez un trafic opposé à moins d'une minute, 600 pieds au route inverse. On arrive pile sur le terrain. Bonjour, droit devant là. Attention au trafic, soyez vigilants. Donc, tu peux prendre 15 degrés à gauche, voire 20 degrés. C'est ça, c'est un terrain là-bas. Il y a un coup de Fox Hotel Charlie pour quitter la fréquence. Fox, Papa Victor, Renault, bravo. J'écoute. Vous êtes identifié radar. Quelle sera votre route? Vers 100 tours de piste à 800 km. Identifié radar, Romeo, bravo. Je vais procéder direct sur le. Vers la gauche, parce que sinon on est sur la ville. Et on est sur une ville. Reçu. Fox Tango Victor, bonjour. Fox Tango Victor en vol VFR de 3 vers Grimbergen, Echo Bravo, Golf Bravo, altitude 3000 pieds,
L'appareil est un Lambert M108. Nous sommes à hauteur de Reims et transpondeur 7000. Reçu 70 10 au transpondeur 70 unité 0. 70 10. Fox Alpha Fox. Fox Hotel Sierra Alpha Fox. Fox Alpha Fox. Fox Alpha Fox, trafic opposé. Salut, sentier bas, route inverse. D'accord. Dans Delta 3 en 2 minutes. Dans 2 minutes à peu près. Ouais. Et reçu Fox Alpha Fox. India Delta, Paris Info. Fox Bravo Victor, India Delta. Fox India Delta. Bravo Victor, India Delta, si vous recevez, attention à trafic dans vos 1 heure. Route opposée, 700 pieds haut. Et vous allez voir dans 1 minute, et quelques trafics autour, soyez vigilants. Formation de trafic reçu de Delta, mais pas visuel. Bravo Victor, identifié. Ça va pas mal identifié. Paris Info de Fox Papa. Pierre Kilo, c'est radio. Jean-Luc 5, j'arrive dans les zones de Pontoise, je vais peut-être passer avec eux pour Pierre Kilo. Pierre Kilo reçu avec Pontoise. En fait, tu peux prendre la 125 même. 7000 au transpondeur, Pontoise 118-8 et quelques trafics vers Persan, soyez vigilants. 118-8, donc j'arrive à Persan, je suis vigilant et 7000 au transpondeur. Merci beaucoup, Alain, au revoir. Au revoir, vos deux trafics sur Persan, faites attention, enfin. Trafic sur Persan, Fox, Syracuse, sur ma droite, au revoir madame. X-ray Oscar. X-ray Oscar, j'écoute. Attention, évitez bien la CTR, la ZRT de mots, monsieur. Reçu, je j'ouvre à gauche. Oui, parce que là vous êtes à 3 minutes, soyez très très attentifs, faites attention et vous êtes identifié. Ah merci madame, ah oui j'ouvre à gauche. Est-ce que vous pouvez me rappeler sur 126 unités? Je vous rappelle, là, sur 126 unités. Alpha Fox. Alpha Fox. Vous avez vu le trafic? Oui, j'ai vu Alpha Fox, Alpha Fox. Parfait. C'est bon. Ça, désormais sur 126 décimales unité X-ray Oscar. Jour x 5. Paris Information, bonjour. Fox Golf Oscar, Alpha Fox. Donc là, c'est pas compliqué, tu vas tout droit là-bas. On a beau bien à droite, donc on est peinard. Info, bonjour, Fox, Golf, sans vos le Sierra. Ah, je vous rappelle. Ça éteint. Ouais. Avec tout le soleil qui après. Ouais. Là, on va tirer un peu l'eau. Ouais. Charlie, c'est radio. Là, regarde, dans le ciel, là. Ah, ce Golf Oscar uniforme Fox, bonjour. Est... Ah oui, il y a des avions, oui. Foxtrot, Volvé, CR2P, Mico, Bravo, November, Mike. T'as vu, Jean-Luc? Alors, 5 avions en formation à droite, ils font la boucle. 5, 2 personnes à bord, sous plan de vol. À droite, là, juste à droite, à 2h. Il a leur fumé. Golf Oscar uniforme Fox, ah oui, pardon. Ok. 70, 20, 7, 0, 2, 0. 70-20, Fox, merci. Fox Bastien Gozou Lucira, bonjour. Elle rentre, c'est le rendre de bas. Gozou Lucira, 402 personnes à bord, provenance 0, direction transit par Dreux. Donc on arrive sur la barre, c'est très bien là. Sentier à 2 minutes au sud des semi-nés de Forcheville. Affiché 70-04 et la destination, ce sera le retour Muro. Affirme, retour Muro, non. Dreux, Châtenay et retour Muro. Merci. 70-04 au transpondeur, Fox Zulu Sierra. Fox Papa Yankee. Papa Yankee. C'est juste pour un essai radio. Pour essai, un essai radio, Fox Papa Yankee. Fox Alpha Fox, prêt pour quitter et passer avec la CMA d'Evreux. Alpha Fox, reçu Evreux. Tu les vois, Jean-Luc? Ah ouais, je les vois. 7000, merci Fox Alpha Fox, au revoir. Bonjour, Fox Trot Kilo India. Possible que ça soit la PAF, hein. On va savoir. Ah non, d'une pipe là, ça bouge trop là. Fox Golf Oscar uniforme Fox identifié radar. Bien sûr, Fox uniforme Fox. Fox Golf Tango Zulu Sierra identifié.
Fox Golf Tango Zulu Sierra identifié. Zulu Sierra, vous me recevez? En 065, on a identifié Fox Zulu Sierra. Kilo India, bonjour. Donc, on est où nous voilà. Bonjour, tous en meeting, il n'y a pas de même notre position. Hein? Même ceux qui sont à bord, ils vont pas. Bravo, Victor, India Delta. Ils n'ont pas vieux que nous. T'as vu ça un peu là, oui, là ils sont nombreux là, c'est peut-être la paf hein. Ouais, à mon avis c'est la paf ça. Vous faisiez attention du trafic dans Chevreuse, vous pouvez contacter Toussu et 7000 au transpondeur. Ok. Je vais avoir un point de repère dans pas longtemps, je te saurai exactement où on est. Kilo India. Je te rappelle Kilo India. Je prends route vers Coulommiers, après de Coulommiers on va rentrer. Ouais, bleu, blanc, rouge, c'est la paf. On regarde la formation qu'ils ont fait. Ouais. C'est terrible ça, je pourrais la filmer mais non, c'est trop, ça bouge trop. Foxtrot, Golf Ocean, Nissan Foxtrot, je demande à quitter pour contacter Charleville. Uniforme Fox reçu avec Charleville, 7000 en fois. 7000 en voie, voilà. Kilo India, bonjour. Foxtrot Golf Lima Kilo India, un DR400 provenance de Granville à destination de Compiègne. En transit au niveau 50, on a 30 à bord. On est à 7000 au transpondeur et on est au-dessus des falaises Mondérène. Kilo India 7002. 7002 Kilo India. Pareil info pour vous quitter et passer un message à Coulommiers, on va passer à côté de leur bord. J'imagine X-ray Oscar. X-ray Oscar. Reçu, évitez bien la GDRT, hein, soyez... Attention là, je vous vois monter, vous êtes limite à 1500 pieds monsieur. Oui pardon, je corrige. Alors écartez bien, faites hein, bien vigilant pour éviter la GDRT de mots. Et vous passez avec Coulommiers, c'est reçu, 7000, attention, on a un peu de trafic. Ah, reçu, merci, au revoir madame. Au revoir. On peut Coulommiers, combien 205. 205. Coulommiers, 205. Ouais. Coulommiers de Fox Golf X-ray Oscar, bonjour. Coulommiers de Fox Golf X-ray Oscar, on rebond DR400 en provenance du nord par Beau. À 2 minutes de bord, on va prendre route vers Coulommiers, vertical vent X-ray Oscar, dans 2 minutes. La tour dont je te parlais, elle est là. Hein? Je corrige l'altitude, elle m'a engueulé deux fois. Ok, ben elle refuse de fonctionner la caméra. Donc on a l'autoroute A4 en dessous. Cherche Coulommiers droit devant. Pour Kilo Hotel, un vertical de vos installations à 2000 pieds, un transit sur le château Jericho. Le X-ray Oscar à 30 secondes, à 1 minute de vertical de voir à 1500 pieds, X-ray Oscar. Le terrain devant nous, c'est ça? Ouais, diesel. Non, je vois pas le terrain encore. Devant nous là, c'est la grande piste en travers là. La grande partie verte en travers. On arrive perpendiculaire par le nord là. Juste devant là. Oui, j'ai la forêt. Voilà, ben c'est ça. Derrière la forêt. Oui, je vois. Coulommiers, Oscar Charlie en vente arrière pour la 09 planeur, le train est fixe. Ballast vide. Donc là t'as vu, tu peux passer à droite là. Ouais, je vois le bord, je continue un peu vers le bord.
X-ray Oscar à 20 secondes de verticale devant à 1500 pieds pour prendre route vers Logne. Tu peux virer maintenant. Ouais. Donc là on passe au-dessus du tour de piste. Hein. Donc hier on était en balade là-dessous. Là-bas. Alors là pour filmer ça va pas être top. Ah ils sont toujours en formation hein. Ah ouais. Donc on a Crécy-la-Chapelle quelque part en dessous à droite. Hein. T'as vu l'autoroute là-bas? Ouais. C'est l'autoroute qui est là-bas, le blanc. Ouais, ouais. Mais on va le suivre, c'est ça? Ouais. Colombier d'X-ray Oscar, vertical terrain de golf 1500 pieds. Je quitte les terrains et je continue 1500 pieds vers Logne. Bon après-midi, au revoir. Donc à droite, Jean-Luc, on a Crécy-la-Chapelle et si je regarde à droite sur la forêt là, juste avant l'aile, une abbatiale, je crois que c'est une abbatiale. D'accord. Voilà, Crécy-la-Chapelle. Fox Kilo, papa, piste 08, autorisé décollage, bonjour, 60 degrés, 7 à 16. Autorisé décollage, 08, Kilo, papa. Affirme. Fox X-ray Tango, Logne Tour, bonjour, allez-y, 08 dur et attendez. Fox X-ray Tango, bonjour, on salue 08 dur, on maintient. Fox X-ray Nissan, on va en parler. Fox X-ray numéro 1, rappelez final, piste 08 dur. Fox X-ray Nissan, numéro 1, je rappelle final pour 08 dur. Logne Tour de X-ray Oscar, bonsoir. X-ray Oscar, bonsoir. X-ray Oscar, à 3 minutes de point écho en retour de Granville avec l'information India pour un complet. Fox X-ray Tango, piste 08 dur, autorisé décollage 20 060 degrés, 7 à 16. Autorisé décollage 08 dur, X-ray Tango. Fox X-ray Oscar, transpondeur 3730, rappelez écho. 3730, je rappelle écho, X-ray Oscar. Ah là, ils font le show. Hein. Ah ben là, ouais. Et là, je crois qu'ils partent. Possible. Ah ouais, ils s'en vont là. Ils n'ont plus information. Par contre, un peu, on a vu la PAF. Ouais. Et bien encore. Et en l'air. J'avais jamais vu la PAF depuis les airs, moi. Ouais, là, ils partent. Je sais pas où ils sont basés. À Creil, parfois ils viennent de Creil. Creil. En sortie pour quitter en fait avec Coulombier, Kilo Papa. Donc ce Kilo Papa reçu, transpondeur 7000, l'a quitté à tout à l'heure. 7000 à tout à l'heure, Kilo Papa. Un Jean-Luc décomposé ou pas décomposé là? Hein? Un Jean-Luc décomposé ou pas?
Pourquoi décomposer? Je sais pas, la chaleur, l'assèchement. Ah oui, oui, je pense que je vais bien dormir cette nuit par contre. Ça secoue un peu quand même là. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est fatigant. Mais bon, tant que t'es pas malade. Ouais. Un peu plus sur l'autoroute. Une fois qu'on était là, Léo disait de se mettre vraiment sur l'autoroute en fait. Ça avait tendance à être un poil trop sur le... Fox Kilo, Kilo Papa, pardon, si tu joues l'écoute transpondeur 7000. Fox X-Ray, nous sommes en finale 22, un peu plus sur la Fox X-Ray, nous sommes en piste 08 dur, autorisé touché, vent 0,70 degrés, 7 à 14. Ok. On a perdu la numéro 3. X-Ray Tango, sorti pour quitter. Fox X-Ray Tango, transpondeur 7000, quitter à tout à l'heure. 7000, donc il n'y a pas de retour prévu pour nous aujourd'hui, X-Ray Tango. Oui, pardon, c'était noté, désolé, à la prochaine, X-Ray Tango. Il n'y a pas de souci, à bientôt. Hein. X-Ray Oscar, point écho, et ça sera pour la gazonnée, s'il vous plaît. Donc sur les Tango, Logne Tour, bonjour, allez, niveau piste 08 et attendez. Bonjour, on va aller 08 et on attend, j'arrive dans Tango. Donc X-Ray Oscar, entrée et rappelez vent arrière, piste 08, c'est noté pour la gazonnée. On rappelle, début vent arrière 08, gazonnée, X-Ray Oscar. Logne Dragon 75, bonjour. Donc Charlie Tango, piste 08 dur, autorisé décollage, vent 0,70 degrés, 7 à 14 mètres. Décolle 08 dur, Charlie Tango. Dragon 75, bonjour, piste 08 en service, je vous écoute. On arrive d'ici les Moulineaux vers Guérard, un petit village juste à côté de l'aéronome de Coulommiers. On vient de passer Bombès libéré par les Moulineaux. 1500 pieds, 1024 et 75 au transpondeur pour un transit direct en gros cap S. Dragon 75, transité 1500 pieds, que Nage 1024, piste 08 en service. Rappelez pour quitter, trafic Robin approche les hautes tensions, sans s'opposer, 1200 pieds dans le circuit. Avant 115, bien plus tard, trafic, on transite 1500 pieds, 1024, on rappelle pour quitter. Novembre Golf Tango, Logne Tour, bonjour, à niveau piste 08 dur, autorisé décollage, vent 0,60 degrés, 6 à 14 mètres. Eh bien bonjour madame, autorisé décollage 08 dur, Novembre Golf Tango. Et pour information, celui-ci non plus ne rentre pas ce soir. C'est noté, merci. Donc X-Ray Oscar, trafic hélicoptère, fin de vent arrière sans s'opposer, 1500 pieds pour un transit. Recevoir, on a biaisé à X-Ray Oscar, merci madame. Là, disons 578, Papa Sierra, bonsoir. Novembre 578, Papa Sierra, bonsoir. Papa Sierra, Cyrus SR1 2 pour le Nord de Cannes, à destination de Porte de Lonne, 3 personnes à bord. On vient de passer, enfin on passe novembre, pardon, passant novembre et 1500 pieds. Novembre, Papa Sierra, transpondeur 37-31, rappel à 30 secondes à la verticale 1500 pieds. 37-31, et je rappelle 15 secondes de la verticale 1500 pieds. Passionnant l'hélico. Dragon 75, le premier trafic croisé, second trafic HR200, milieu de traversée, tour de piste en montée vers 1200. Fox X-Ray uniforme, trafic hélicoptère, approche les hautes tensions, gauche-droite pour un transit 1500. On a misé sur l'hélico X-Ray. Dragon 75, vous m'avez reçu pour la seconde info trafic? Dragon 75. Oui, j'ai pas entendu Dragon 75. Oui, un autre trafic fin de traversée actuellement à avant droit. Ouais, visuel maintenant. Il y a le château là-bas, c'est correct. Affirme 373 unités. Charlie Tango, sorti pour quitter. Donc Charlie Tango, transpondeur 7000, quitter à tout à l'heure. On tourne à gauche. 7000 à tout à l'heure, Charlie Tango. Yes, sir. Allez, hop là. Concentration. Devant Golf Tango, trafic Cessna, midi, moins d'un nautique, même route que vous, 1500 pieds. Vous avez visuel? C'est passé en majeur. Monsieur Novembre, Golf Tango, transpondeur 7000, quitté en gardant visuel du Cessna. Et à la prochaine, du coup. Bon, bah, à tout à l'heure avec le whisky Romeo. À tout à l'heure oui, avec le whisky Romeo. Et on passe 7000. Hein. Donc, c'est frais uniforme numéro 2, trafic précédent. Robin Baz, rappelez final piste 08 dur. Voilà. Dragon 75, vous pouvez quitter la fréquence et à la prochaine. Dragon 75, on quitte, à tout à l'heure, on retourne. Donc Charlie Tango, donc un TB20, vous double travers gauche si vous êtes toujours à l'écoute.
Toujours à l'écoute et on a visuel sur le TB1, Charlie Tango. Également sur Charlie Tango pour Golf Tango. Ça va, c'est bon, j'ai. Ça va. Et Fox X-ray uniforme, vous avez la PAF travers arrière droit actuellement plus haut. Ah oui, merci. En finale X-ray Oscar pour 08, gazonné complet. Fox X-ray Oscar, piste 08, gazonné, autorisé atterrissage, vent 0, 50 degrés, 9 à 13 nœuds. Autorisé atterrissage, 08, gazonné, X-ray Oscar. Pas de vent pour le moment. Passer 30 secondes de vertical, 1500 pieds. Novembre, Papa Sierra, poursuivez, rappelez vertical 1200 pieds. Rappel vertical 1200 pieds, Papa Sierra. Ouba, ouba. Eh, t'as vu la classe? Câble. C'est ce que je disais tout à l'heure. Super, Johan, super. Ah, franchement, il y en a qui doivent avoir leur route. Quoi? Non, bah non. Devant Papa Sierra, entrée 20 arrière main gauche. Là, je pense, ouais. En arrière main gauche, je rappelle en vent arrière Papa Sierra. On est en train de savoir où est-ce qu'elle va nous envoyer. Alors. FRA. En 22. En 25, transfert. Voilà, LPLF Grande. Et L. On est sur le Grande. On est sur le rebonjour de X-ray Oscar. On a dégagé la 08 très gazonnée pour sa 10 et vos X-ray Oscar, par la droite, roulez rappel avant novembre. Par la droite et je roule, j'appelle avant novembre X-ray Oscar. 53 pour un toucher, pour un complet plutôt. Ça va Johan, bravo, passe. Beau vol quand même là. Ah oui, génial. Pardon. Là, ça t'es hyper fatigué. On est parti à 31. Il y a un renard devant. Ah oui. Oh la vache. Il y a 2h25 là au compteur. Là. Il y en a même un autre là-bas. Ouais, il a un truc dans sa gueule. Ah, ouais, il a attrapé à manger là. Regarde, t'en as un autre devant là-bas. Là-bas. Faut peut-être leur signaler qu'il y a des renards sur la piste. Ouais, vas-y, dis-leur. Pour information d'X-ray Oscar, il y a deux renards sur la piste gazonnée. Reçu sur votre... Ah oui, je les vois à présent. Merci aux X-ray Oscar. Alors ça, c'est pas banal, ça. Ouais. Bon, sacré vol, il y aura 2h25, je te disais. 15h30, à 55 à peine. 2h, ouais, quasiment 25. Avec un peu de sport quand même, parce qu'en passant par le nord, par là-bas, c'est un peu sportif. Ouais. Et ça courait pas mal, avec de la chaleur, là, la température, j'en peux plus. Ouais, j'ai vu ça. À la fin, oh, j'étais fatigué. À un moment donné, j'allais te dire un truc, mais je me suis abstenu. Et j'ai dit, t'es en train de cuire, on le laisse cuire en paix. Là, on est en vent arrière. On s'approche de novembre, X-ray Oscar. Donc X-ray Oscar continue le roulage et quitter Sadi Le Cointe, bonne soirée. On continue le roulage, on quitte à Sadi Le Cointe, merci, bonne soirée à vous. C'est une bonne idée, je vais pouvoir filmer le volage de l'autre là. Ah si, il décolle, ce qui a pas l'air d'être le cas. Non, il décolle pas. Grosse bête, elle atterrit. Virus.
Alors la mécanique fermée. Papa Sierra, piste dégagée pour un retour parking Air France. Non, Papa Sierra, on voulait quitter Air France. Je roule, je quitte Air France, Papa Sierra. Il va se prendre un coup de chaud là. Tu vois maintenant la pancarte qu'on a mis ? Ouais. Ah non, mais il y a eu des changements. Le nouvel insigne, enfin insigne, pas l'insigne. Mais il y avait Paolo et moi quand on l'a mis. Ah, il y avait devant, c'est le cauchemar. Et c'est lourd, ah oui, va pas démonter la première, remettre celle-ci, on peut mettre dur. 5 mètres du sol. Allez, on va se dire au revoir. Au revoir, au revoir. Petite synchro finale. Voilà. Ouais, c'est bon. Si tu peux libérer le plus rapidement possible. Voilà. Hop. Si tu pouvais décrocher tes caméras très 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 rapidement. Quelle caméra ? Pourquoi décrocher les caméras ? Elles sont bien. Allez, c'est bon.